crazy mother. Bienvenue sur la chaîne des Master Geek. Aujourd'hui, on parle du podcast numéro 6. On peut vérifier, c'est le 6. Oui, c'est le 6. 6. Avec Ringo, comme toujours. Salut. Mimi et au retour national. National. Des familles. Tu serais pas le mec qui a fait 1100 vues. Ah, si. D'ailleurs, il faut qu'on fasse une vidéo, les gars, parce que là, ça, les vidéos assidues, ça va plus. C'est eux qui font engueuler, c'est pas nous. C'est clair. Bref, Ringo, du coup, tu nous fais un petit horizon. Ouais, exactement. Yumi, tu nous fais encore Breath of the Wild, la troisième fois, mais cette fois je l'ai fini. Je vais donner mon avis définitif sur le truc. Le mec, il est payé par Nintendo, quoi. Ouais, j'ai été payé par Nintendo, je la lâche plus, quoi. Donc tu vas commencer là plutôt que de faire tes remarques. Et puis Antoine va nous faire Ghost Recon. Voilà. Parce qu'ils s'en battent les couilles, le mec, il te censure, mec. Il me censure pas, parce que j'ai déjà prévu d'aller pisser pendant qu'il parlera. Du coup, il a prévu de faire la même chose. Parce que le mec n'a pas d'originalité. Alors, on va commencer tout de suite. Donc Horizon Zero Dawn, le jeu de Guerrilla Games, donc une exclusivité PlayStation. Donc c'est aussi pour ça qu'on achète une PlayStation, c'est pour ses exclusivités. Et là, c'est une nouvelle. Une nouvelle exclusivité, voilà, une nouvelle licence de Guerrilla. Fumer, c'est mal. Fumer, c'est mal, on est obligé de le faire. On ne vous incite pas à le faire. Nous avons plus de 18 ans, donc nous sommes autorisés par la législation française, mais fumer est très mal. Donc on rappelle à tous ceux qui m'ont regardé que fumer est mal. T'as décidé de censurer toute l'équipe. Exactement, et d'ailleurs, tout le monde ferme sa gueule, je parle, quoi. Je licencie direct. Alors, donc le jeu de Guerrilla Games, Horizon Zero Dawn, est sorti le 28 février 2017, monsieur. Et donc ce jeu était prometteur. Il était prometteur avant sa sortie, il envoyait du rêve, des graphismes de ouf, un jeu aux possibilités infinies, voilà, écoutez, il a été même plutôt assez encensé dans la presse, il a été bien reçu. Il a été bien noté, je crois que c'est quand même 9 sur 10. Il a quand même reçu des bonnes notes. Alors moi je m'attendais donc à un jeu de ouf, j'étais super content. Tu me l'as même présenté comme ça. Moi je m'étais dit c'est sûrement le jeu de l'année peut-être. Ouais. C'est vrai qu'on l'avait testé à l'E3 du coup. C'est vrai qu'il avait l'air pas mal. J'étais plutôt emballé, donc je remercie encore notre ami Bûcheron, alias Valentin, qui nous a très gentiment prêté le jeu parce que je n'avais pas les sous pour pouvoir me l'acheter. Parce que j'attends la Switch. Ça, c'est un débat. incessamment sous peu. Donc, j'étais super emballé. Écoutez, je commençais à y jouer. Super. J'étais emballé. Des graphismes de folie. Une histoire qui promettait. J'attendais que ça s'accentue. Un univers qui était sympathique. Et puis, il y a eu le drame. Après, ce fut la désillusion. Après, c'était commencé à avoir une certaine désillusion. Je sais pas si c'est le fait qu'on m'ait vendu le jeu comme étant un jeu de ouf. Et d'un coup, je m'attendais à avoir un claque de ouf. Et d'un coup, déception. Pourquoi certaines déceptions? Alors, peut-être avant de parler de déception, il y a quand même des capacités qui sont intéressantes. L'univers est beau. La map est très très grande. Et ça, c'est très agréable. C'est un monde ouvert qui est un peu comme à la The Witcher, un peu comme les jeux qu'on a de plus en plus aujourd'hui. Des mondes ouverts qui sont intéressants avec des quêtes annexes qui sont pareilles. Pour moi, les graphismes du jeu ne font pas tout. Voilà. Je trouve que ça fait un peu. Il y a des moments, il ressemble un peu à une coquille vide. Vous avez des passages où la map est super belle avec des monstres un peu partout et ça devient compliqué d'avancer dans la map et de vous sauver. Et puis il y a des moments où c'est le désert et puis il n'y a rien et puis les graphismes sont toujours là mais il n'y a pas grand chose. Donc ça c'est un petit peu aléatoire et je trouve que c'est dommage quand on fait un univers, il faut que ça soit équitable un peu partout. Ça c'était une déception. Quelques défauts comme l'inventaire, pareil vous achetez des choses parce que d'un coup c'est un système de craft.
Et dans Cool System de Craft, vous ramassez des choses et vous pouvez faire des flèches, vous allez dans des villes, vous pouvez acheter des choses. Et ça, j'ai trouvé que l'inventaire, il était mal foutu. Parce que à chaque fois que vous achetez quelque chose, bah, vous n'avez pas la possibilité de comparer votre armure, d'aller dans votre inventaire à vous et de comparer ce que vous avez déjà. Enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'acheter plusieurs fois les mêmes armes parce que j'avais oublié que mon arc s'appelait comme ça. Et donc, j'ai racheté en me disant, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est chiant. Ça, c'est un gros point négatif sur un... T'as pas de système de craft Bah, ton système de craft, en fait, il sert... Ça te permet pas, par exemple, de construire des arcs Non, ton système de craft, il permet de construire des munitions. Et après, ce que tu vas ramasser dans le stuff, en fait, que tu vas ramasser, va te permettre d'éventuellement d'ajouter des capacités à tes armes. Je pensais que tu pouvais construire tes armes. Plus tu achètes des armes de meilleure qualité, plus tu peux rajouter des améliorations dessus. Okay. Mais c'est pas des améliorations de ouf, hein. C'est pas genre un nouveau viseur ou quoi que ce soit. C'est genre, vous infligez plus de dégâts ou vous prenez moins de dégâts. Voilà, c'est pas du ouf dingue. C'est vrai que sur un jeu comme celui-ci où c'est une histoire qui se passe après la chute de l'Empire. La chute de notre civilisation. Et en fait, vous êtes revenu un petit peu à l'état de tribu. Et vous êtes un peu revenu en mode homme de Cro-Magnon. Voilà, vous êtes des tribus et vous êtes un petit peu habillé comme des clodos. Ça fait plaisir. Mais voilà, vous êtes retourné à la chasse, vous allez vous cacher dans la fougère. Bon. Mais d'un coup, j'aurais aimé qu'il y ait plus de craft, plus à construire tes armes, aller vraiment les améliorer. C'est un peu comme Tomb Raider, tu pouvais plus t'avancer, plus tu craftais au niveau de ton truc de camp, tu pouvais rajouter un truc sur ton arme. Et surtout qu'il l'avait poussé pour... Et ça, il avait bien bossé, et là je trouve que voilà, là ça manque, ça pêche un peu. Donc pour moi ça c'est un point vraiment négatif, parce que je trouve que sur un jeu comme celui-ci, tu es obligé de proposer la possibilité d'aller très rapidement dans ton inventaire pendant que t'achètes. Après on peut être... enfin faut pas oublier que c'est un studio qui avait pas du tout l'habitude du TPS. Hein. Ah, c'est sûr. Qui de base développait les Killzone, donc c'est très FPS. C'est quand même leur premier open world. Totalement. Premier format en TPS. Donc... Ça, j'y reviendrai, mais c'est vrai que ça, c'est un point. C'est pas si loupé que ça. Quoi. Malgré tout, l'histoire est bonne. Oui. Tu l'as fini? Non, j'ai pas fini. T'as été un peu démotivé à un moment. J'ai été vraiment démotivé parce que l'histoire est bonne, mais assez répétitive. Et elle vous agrippe pas tant que ça. L'histoire est bonne, ça c'est sûr, l'histoire est bien foutue. Enfin, je trouve que l'héroïne, par contre, ça c'est bien, elle a du charisme. C'est Aloy. Aloy, donc cette petite rookie, donc on ne connaît pas, au début vous ne connaissez pas vraiment son histoire, vous en apprenez un peu plus au fur et à mesure, elle apprend un peu d'où elle vient, parce que, sans trop spoiler, voilà, elle est recueillie par quelqu'un, et Rust, vous pouvez voir dans la vidéo. Et Rust, en fait, c'est lui qui, au début, vous fait votre apprentissage. Donc ça, c'était génial. Le début, t'es top, en fait. Le début, t'es top. Il y avait Rust et tout. Enfin, voilà, tu étais avec lui, tu t'entraînais, voilà, il y avait ça. Et puis l'histoire, au bout d'un moment, devient redondante. Et puis, vous refaites la même chose. Et il y a moyen peut-être que... Moi, j'ai pas fini l'histoire, honnêtement, parce que c'était pas mon jeu et que j'étais pas spécialement agrippé. Et c'est dommage. Moi, je pense que je me le ferais. Mais faut le faire, je pense, parce qu'il vaut le coup. Mais peut-être que l'histoire repart sur la fin, mais... Honnêtement, moi je trouve ça dommage que le jeu il t'agrippe pas de A à Z quoi. Ouais. Faut que l'histoire elle te prenne. Sur un monde comme ça, faut que l'histoire elle te prenne, qu'elle soit prenante, que toi tu aies envie d'avancer, d'aller plus loin. Et là, les missions elles sont assez répétitives. J'ai trouvé, il y avait un. Alors moi j'étais un petit peu en jaillot au tout début parce que je voyais qu'il y avait des tribus et tout ça. Je m'étais dit, ah, Fatah, on va pouvoir aider les tribus. Alors oui, vous pouvez les aider, mais c'est pas ouf dingue. Genre t'arrives, tu vois des méchants, donc tu commences à vouloir les prendre. Et puis en fait, ça t'apprend pas tant que ça. Alors. Moi j'avais espéré que tu pouvais vachement bosser avec les tribus, faire du mal de commercer avec eux, tu sais. Ouais. Dans un monde ouvert, j'aime bien avoir cette possibilité-là de venir conquérir un peu la map, de négocier avec les tribus, de faire des alliances. Ça aurait été génial, mais il n'y avait pas. Donc quelques déceptions, alors peut-être que le jeu a été trop bien vendu et d'un coup je m'attendais à un truc ouf dingue. Après ça reste un très bon jeu, ça reste un jeu de très bonne qualité, ça reste une très belle exclusivité pour PlayStation parce que c'est vraiment un... Tiens, ouais, par exemple, toi qui as fait Uncharted 4 et celui-ci, lequel est-ce qu'ils sont l'ex-aequo au niveau graphisme ou est-ce que lui il surpasse? Alors, moi j'ai pas de télé 4K, donc c'est vrai que j'avais vu la différence chez Anto sur ta télé 4K qui était ouf dingue, le jeu était magnifique. D'ailleurs, vous verrez la vidéo. Voilà, la vidéo, vous la verrez avant le podcast et d'un coup, vous verrez, on va vous montrer un peu la différence et c'est vrai que la différence elle est notable. Mais du coup, j'ai pas fait gaffe par rapport à Uncharted 4 s'il était. Plus beau ou ex-aequo ou moins beau, tu vois. Je dirais qu'il est plus beau parce que en fait il va un peu plus loin, il va pousser l'environnement.
que ne faisait pas forcément Uncharted. Surtout qu'en plus c'est un monde ouvert là, donc du coup Uncharted 4 l'était pas lui, donc c'est pour ça. Là dessus ils ont pas démérité parce que ça reste un monde ouvert qui est quand même beau partout. Un peu là où tu, est-ce que tu as des univers un peu différents, tu as des coins désertiques, tu as des coins enneigés. Ouais. Et l'univers par contre là-dessus au niveau graphisme, ils ont fait un boulot mais de monstre parce que ils ont il y a très tu dis il y a pas un moment où tu te dis les textures elles sont mal bossées dans cet univers là et franchement putain c'est le travail de merde. Ouais, putain non, c'est vraiment pas mal. Tu l'as dit dessus je trouve qu'il est plus joli qu'une sortie parce qu'il va plus loin. Il va pousser l'environnement beaucoup plus loin. Mmh. Donc tu peux vraiment escalader certains arbres, tu peux voilà, le côté chasse c'est vraiment sympathique. Franchement les bestioles elles sont vraiment bien rendues, les personnages sont magnifiques, les effets quand tu bouges avec l'héroïne elle est vraiment bien bossée. Je trouve qu'une sortie à des moments ça restait un petit peu en dessous, le personnage il fait pas très humain. Ouais, à des moments une sortie je veux dire là elle fait vraiment genre une stature d'humain, tu pourrais même si tu vois que c'est pas réaliste tu te dis bah c'est vraiment des postures qui sont bien bossées parce que quand t'as cette croupie c'est bien fait le truc. Ouais, tu peux, tu étais là, t'es en train de tirer ton arc, tu te mets à couvert ton arc pistolet, enfin voilà, ils vont vraiment loin et il est plus joli là-dessus. Il y a vraiment du potentiel, ils ont vraiment bien bossé et là-dessus, je vais pas leur enlever parce que c'est vrai, comme tu disais, ils ont bossé que sur du Killzone. Enfin, ils sont connus pour leur Killzone et là, c'est leur. Là, c'était une grosse prise de risque. C'est leur premier open world, donc honnêtement, il est réussi, c'est un pari réussi pour Guerrilla et j'incite encore à ce qu'ils aillent plus loin et j'espère qu'ils seront force de proposition sur les prochains qu'ils feront. Surtout qu'il ne faut pas oublier, c'est que Guerrilla, c'était quand même ceux qui étaient au lancement de la PS4 quand même. Donc ça veut dire que c'est leur deuxième jeu pour un studio exclusif. Autant. Et ça laisse pas tant de développement que ça, ça veut dire qu'ils ont eu 3-4 ans max. Alors je pense qu'ils ont oublié ces deux équipes qui ont bossé et qui ont dû. Parce que je pense qu'ils ont dû. Ouais, parce que donc vraiment le travail. En tout cas, c'est quand même pas mal de proposer, tu vois, deux jeux autant, sur la durée de vie de la console. Autant Killzone avait été bon, mais il n'avait pas marqué, les esprits et ne sera pas le jeu emblématique de la PlayStation. Autant je pense qu'Horizon. A quand même ses chances pour la course au meilleur jeu de l'année, mais je le pense pas parce que les graphismes font pas tout, voilà. Et après Guerrilla c'est comme The Witcher les premiers n'étaient pas ouf dingue et voilà The Witcher 3 est un carton, je veux dire The Witcher il a une histoire. C'est que The Witcher, t'es au troisième déjà, donc t'as en plus t'as tous les bouquins qui sont autour dans The Witcher. C'est un univers qui est connu, The Witcher. Si tu veux comparer à The Witcher, malgré tout, ils n'ont pas les mêmes. CD Projekt n'avait pas les mêmes moyens. Ils ont fait un travail monstrueux avec un truc polonais, et voilà, eux, ils ont réussi à monter là où ils sont en bossant comme des dingues. Guerrilla, ils ont bossé comme des dingues, c'est une certitude. Après, côté de ça, ils ont du Killzone, ils ont toujours plus ou moins bien fonctionné. Donc voilà, ils ont quand même des finances qui sont ils sont exclusivité PlayStation. Donc voilà. D'ailleurs, je crois même que Hideo Kojima, c'est le moteur graphique qu'il allait récupérer pour son jeu. Alors là, vu qu'ils vont voir la vidéo d'Horizon qui va tomber avant, ils vont se dire le mec il se répète parce que tu nous as fait la même réflexion à la fin de la vidéo. Putain, mais voilà. Le mec il y a un effet rétroactif. On vous fait des petites piqûres de rappel. Si vous ne le savez pas, donc c'est vrai que ça prouve aussi à quel point le moteur graphique de Horizon est intense, parce que si Hideo Kojima vient se servir là-dedans, c'est que véritablement il y a vraiment du très beau travail. Voilà, il y a du talent et là-dessus je leur enlève pas du tout ça. Après voilà, faut qu'il au niveau du fond. D'ailleurs, j'ai peut-être oublié de le dire. Mais Hideo Kojima, t'inquiète, quand ça va arriver à Zelda, on va pas oublier tes petits pics. Mais voilà, donc malgré tout, ça reste un bon jeu. Si vous avez. Il est important, je pense, que vous y jouez parce que c'est une exclusivité. Et c'est vraiment, moi, je cite là-dessus, les consoles, aujourd'hui, on les prend aussi pour les exclusivités. Et quand on a la course à la console comme on a avec Xbox One et PlayStation, c'est aussi sur la différence des exclusivités. Et c'est important de soutenir ces initiatives-là. Donc, c'est un bon jeu. Il vaut le coup d'être fait. Mais je viens remettre un peu les points sur les i en disant qu'il y a quand même des manques qui sont importants et qui font que l'expérience de jeu elle peut être lassante. Et tu viens sanctionner tout ça, toi. Et je viens sanctionner tout ça. Je pense qu'il y a un season pass de prévu ou quoi que ce soit. Non, je crois pas. Non, mais j'en ai pas entendu parler, donc il me semble pas qu'il y en ait. D'ailleurs, il est pas multi. Non, il est pas multijoueur. Donc ça, c'est bien. Je trouve que c'est pas mal. En même temps, qu'est-ce que tu fous un multi là-dedans? Il y en a qui trouveraient toujours. Ils arrivent bien à le faire. Ils arrivent à le faire. Ouais, c'est ce qui est voilà. Mais je trouve que c'est bien qu'on garde des univers comme les open world qui soient un peu fermés. Pour certains, c'est bien fait. Je trouve ça dommage. Moi, j'aime pas non plus, mais bon.
Mais elle va faire un multi avec ça. Bah, ce serait peut-être pas un. Des coups d'arc. Non, mais ce serait pas un. Ouais, bah, regarde, Watch Dogs, vous pouvez le faire. Ah, mais Watch Dogs, c'est encore différent. Bah, non, mais il pourrait le faire si t'avais, fait la... si t'avais bossé les tribus. Watch Dogs, il le fait. C'est ça, Tim. Ouais, bah, il le fait. Mais si j'avais bossé les tribus, t'aurais pu faire une intervention tribu, genre tu bosses tes tribus et clans, tu vois un peu ton arc d'obé se transformer en bon arc là. Bah arc c'est ça mec, hein, ça. Et arc il a 15 ans, 15 à 30 ans de retard. Bah, il tourne très bien sur Gabriel Dance. C'est ça, il va sortir sur Switch. Arc il tourne très très bien sur Macintosh apparemment. A priori sur Macintosh, il fonctionne très bien. Donc voilà, mais très bon boulot, Guerilla, bien bossé, mais je ne mettrai pas 18, je ne mettrai pas 19, je ne mettrai pas 17, je mettrai un 16. Actuellement, parce que tu n'as pas du coup. Peut-être pas... qu'avec la fin, en fait, ça peut le rattraper, tu sais, ton expérience globale. Mais parfois, ça peut même venir l'entacher. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas ça qui me botte. Ah, c'est vrai que si déjà toi t'as été vanné avant d'arriver à la fin, c'est pas bon signe. Mais voilà, après, c'est les goûts et les, enfin, les goûts de chacun. Je trouve que c'est pas toujours clair dans ce qui se passe à côté pour retrouver pour venir craquer certaines bestioles. Il y a des, parce que tu, quand t'as le truc pour craquer les bestioles, et ben tu peux pas craquer toutes les bestioles, donc il faut que tu trouves ce que tu peux. Bon, honnêtement, c'est pas clair tout le temps et il y a des confusions qui s'installent, et donc toi tu te retrouves des fois un peu perdu. Et tu te dis merde, putain, fais chier. De toute façon, t'es pas le seul à le penser parce que t'as aussi Nounou là, de l'équipe qui Nounou, l'a fait. Il demandait donc l'avis qu'on avait là-dessus. Et il disait alors, en gros, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et il disait, moi j'ai pas réussi à t'accrocher, c'était exactement le même avis que moi. Il se plaignait surtout que du coup, tu pouvais te faire attaquer non-stop. Enfin, c'était beaucoup d'infiltration par rapport à. Et puis moi, voilà. Donc c'était aussi pour ça que moi, le jeu ne m'a pas. Parce que, comme vous l'avez déjà compris si vous nous suivez, moi j'aime avoir le choix. Parce que je suis un bœuf. Parce que c'est un coup. Je suis un bœuf dans les jeux, l'infiltration j'aime bien ça, mais il faut que ça dure 5 minutes et après je peux faire le bœuf. Et là c'est pas possible de faire le bœuf, c'est infaisable. T'es obligé de faire l'infiltration, de jouer tes techniques, d'utiliser l'environnement, donc ça c'est bien pour ceux qui aiment bien l'infiltration. Mais donc oui, il manque quand même ce choix. Par exemple, Dishonored aujourd'hui de proposer ce choix-là. T'avais la possibilité de le faire en bœuf, ou la possibilité de le faire en infiltration, ou de le faire en mode tu peux faire les deux. Après c'est une chasseuse. Enfin. C'est une chasseuse, mais. Après, c'est sûr que si tu vas comme un bœuf dans un champ, tu vas avoir des chasseurs qui font les oufs. Hein. Il y a bon et mauvais chasseurs. C'est quoi des vidéos où les types font chasser les porcs. Des vidéos où les types font mettre des pièges de bâtard. Ouais, mais faut pas pareil, tu es obligé de mettre tes pièges en amont et de poser ça. Et ces pièges-là, ils sont pas gratos. Et donc, il faut que tu payes ou que tu craftes. Et donc, quand tu as fait ça, tu n'as plus de possibilité. Genre, tes flèches de base, tu n'as plus de moyens pour crafter. Donc, ça, c'est ces petits défauts-là. Donc, bon. C'est ce qui fait que ça gâche un peu l'expérience de jeu et c'est pour ça que je le sanctionne un tout petit peu parce que le boulot est très bien fait. Mmh. J'insiste là-dessus et il est vraiment à faire. Donc j'espère qu'ils nous en feront une suite et qu'il sera un peu mieux en gardant l'esprit graphique des graphismes qui sont actuellement parce qu'ils sont magnifiquement beaux et magnifiquement bien rendus. Donc bien joué Guerilla pour le boulot fourni parce que honnêtement vous avez dû honnêtement travailler dessus de façon intensive et comme des oufs. Donc bravo. Moi j'espère. Que j'avais à dire. C'est tout ce que tu avais à dire. C'est déjà pas mal. Petite transition sur Zelda Breath of the Wild. Breath of the Wild. Tu cherches la date de sortie ou... Non, je. j'avais un doute sur un truc, donc non, c'est. Je savais plus s'il avait eu un Game Awards. Mais oui, il avait eu un Game Awards du jeu le plus attendu. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, voilà. Donc j'avais un doute et je suis allé vérifier. Donc non, il est sorti le 3 mars. C'est la troisième fois que je vous en parle, hein, mais parce que c'est un jeu... pas le jeu de lancement de... C'est le jeu de lancement de la Nintendo Switch. La fameuse. La fameuse, la belle, mais il est aussi sorti sur Wii U. Tout à fait. Il est sorti sur Wii U, d'ailleurs son développement a été fait principalement sur Wii U et c'est un portage pour la Switch. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est pas... Alors, il est pas dégueulasse sur la Switch, hein, loin de là, hein, il est très très joli, enfin... Graphiquement, enfin, c'est très très beau quand vous êtes en mode portable, pas en mode salon. Hein. Mais comment dire, c'est dommage d'avoir un Zelda qui au démarrage. Alors, c'est super d'avoir un Zelda au démarrage, mais c'est dommage que ce soit pas un jeu qui a été développé pour la Switch. Okay. Voilà, c'est plus là où ça fait chier quoi. Mmh. Alors, c'est très bien de l'avoir parce que d'un côté, ça aurait été chiant de se dire bah, par exemple, il sort sur Wii U. La Switch sort, il est pas dispo sur Switch, ça m'aurait fait chier aussi. Ouais. Donc d'un côté, je peux pas, je le sanctionne sans le sanctionner quoi. Sans sanctionner. Je suis très belle en tout. Donc les personnages, vous les connaissez, hein, Zelda généralement. Donc vous avez la princesse, vous avez le chevalier donc Link et là le grand méchant de cette aventure c'est Ganon.
Donc, à savoir que vous vous réveillez, en fait, vous retrouvez Link qui se réveille d'un sommeil de 100 ans après une grande bataille qui a eu lieu 100 ans avant. Avec la bonne pyrose. Oui, c'est ça. Il était en mode PLS. Hein. Il était en mode PLS, pas très très frais. Et il se réveille donc 100 ans plus tard. Puis il entend une voix, donc c'est la princesse Zelda. Et putain, c'est quoi cette voix? Donc, il a perdu toute sa mémoire à ce moment-là. Quand il se réveille, il se rappelle de que dalle. Ah ouais. Alzheimer précoce. Je ne sais pas trop, s'il te plaît, voilà, qui aimerait bien faire. Oui, bah t'avais qu'à le faire, hein. Enfin de toute façon tu vas bientôt l'avoir, toi. Le 8 avril c'est réglé, toi. Non, le 21 non. avril. Précommande, merde. Oui, parce que la Switch n'est plus disponible en ce moment. Non, vous la précommandez. À Pontivy, elle est disponible. À Pontivy, elle est disponible. Apparemment, en Bretagne, ils sont pas fans de la Switch. Non, mais a priori, en Bretagne, il n'y a pas un Pékin qui y vit, du coup il y a plus de consoles que de personnes qui y vivent. Il y a trop de vieux en Bretagne et d'un coup, il n'y a pas de jeunes qui jouent, quoi. Donc voilà, donc je reprends, donc vous réveillez avec Link qui se réveille, qui a perdu la mémoire, et il y a un mec qui vient vous parler et qui vous lance un peu sur la grande aventure. Donc à savoir que Zelda, donc celui-ci, si vous le faites réellement en prenant votre temps, en allant chercher pas mal de sanctuaires, en allant en profitant de l'aventure au max, moi je l'ai fait en 65 heures. J'ai pas tout débloqué, il manque plein de petits trucs à les ramasser, des sanctuaires que j'ai pas finis. Il y en a à peu près 120 sanctuaires qui, en fait, eux, vont vous débloquer. Vous avez le choix. Au bout de 4 sanctuaires faits, vous récupérez, en fait, des emblèmes du triomphe. Et quand vous en avez débloqué 4, vous pouvez aller faire une prière. Et auquel cas, vous débloquez soit un cœur en plus, soit de l'endurance en plus. Mm-hmm. Moi, j'en suis à 94 sur 120 actuellement. Ah, c'est pas mal. Ce qui est pas mal, mais c'est périlleux. Et je vous conseille même de le faire avec une soluce à côté, en checkpointant ce que j'ai fait là tout le week-end. À chaque fois que je faisais un sanctuaire, je marquais fait à côté, parce que sinon c'est un joueur. Ouais. Quoi. Non, parce que t'en as qui. En fait, t'as des sanctuaires que tu vois à l'œil nu parce qu'ils apparaissent sur ta map, tu les vois au loin, et t'as des sanctuaires cachés où eux ils sont sous terre. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire une certaine manip, une certaine quête pour le débloquer et il sort de terre. Donc, tout l'intérêt d'acheter le guide si vous n'avez pas envie de. Mais le guide, je ne l'ai pas vu. Alors, je ne sais pas si à l'intérieur, il te donne ces astuces-là. Tu vois, je ne suis pas sûr, moi. Je pense que si les sanctuaires cachés. Moi, tu vois, j'ai un sanctuaire caché, je pense que tu as ça. Pas tous les sanctuaires, mais je pense que les sanctuaires cachés. Bah, tu vois, ça me ferait chier d'acheter 30 balles le bouquin et me dire, j'ai pas tous les sanctuaires. Mec, tu peux le mettre dans la collection. Tu peux le mettre dans la collection, mais à 30 balles, tu vois, moi, enfin, gratuitement, moi, je l'ai trouvé sur jeuxvideo.com, par exemple. Ouais, mais t'as pas. Et où là, t'as réellement. T'as un déroulé, quoi. Et puis si jamais c'est pas clair, tu vas sur YouTube, il y en a plein qui proposent en fait les sanctuaires, les solutions, les machins. Parce que t'as des sanctuaires qui sont. Où t'arrives à comprendre au bout de 20-30 minutes, quand t'as bien cheminé quand même. Et moi je me suis même vu faire des donjons des sanctuaires pendant. À y rester une heure et demie à essayer de trouver comment on faisait. Ouais, au moment je lâche l'affaire, quoi. Je regarde une vidéo sur YouTube. Au moment ça fait chier. Alors bravo! Ouais, non mais. Mais tu demandes des solutions, quoi. Voilà. Ouais, non, quand tu passes une heure et demie. Quand tu passes une heure et demie. Quand tu passes une heure et demie, c'est bon, faut. Non, c'est pas toi qui fais les solutions. Pas encore. Donc, non, Zelda, si vous réellement vous voulez profiter de l'aventure, faut prendre votre temps. Faut aller les vadrouiller. Le monde d'Hyrule, il est immense. Et il n'est pas immensément vide. Ça veut dire que vous avez quand même souvent des ennemis, même si c'est souvent les mêmes que vous affrontez. Il n'est pas immensément vide et vous croisez tout le temps du monde. Ça veut dire que tu n'as pas beaucoup de PNJ en dehors des petites villes, mais ça peut t'arriver de croiser un PNJ qui est là, qui se balade. Qui propose une petite quête. Qui propose une petite quête, quoi. Après, c'est de l'héroïque fantasy. Hein. C'est un style où c'est une histoire qui est là et c'est vous qui amenez un peu ce que vous voulez, quoi. C'est-à-dire que vous avez l'arc narratif qui est là, avec des petites cinématiques, mais c'est pas des grandes cinématiques. Si en tout, en cinématique, sur 65 heures, j'en ai eu une heure de cinématique, c'est le grand max. Hein. Ouais. Donc Zelda, c'est un peu à vous d'y apporter votre passion, d'y apporter du temps, te dire, attends, j'ai passé, je sais pas, moi là j'ai 4 heures de libre, je vais passer 4 heures à aller débloquer des sanctuaires. Parce que tu vois, il y a des fois où j'ai lancé la Switch en disant, bon allez, j'avance dans l'histoire. Mais en fait, j'avançais même pas dans l'histoire parce que t'es tellement happé par tel truc, tel machin. Il y a tout le temps un truc à faire dans ce monde-là. C'est ça qui est génial, c'est que t'as tout le temps un truc à faire. Et pour ça, il est génial ce jeu. C'est-à-dire que là, j'y ai passé 65 heures, mais je peux encore y passer 20-25 heures de plus, quoi. Et je sais que nous, lui, on est déjà à 70 heures. J'ai vu des gens qui étaient à plus de 100 heures de fait, et il y a encore plein de trucs à faire, quoi. Et pour débloquer le jeu à 100%, actuellement, il faudrait que j'y passe encore un mois complet, quoi. Fais gaffe au micro, mec. Tu vas te faire engueuler, l'ingé son, il va pas être d'accord.
Donc là, actuellement, si je devais lui donner une note parce que j'ai fini l'histoire, ouais, toi aussi, tu ne lances pas sur. Vous allez vous faire engueuler, les gars. Il va y avoir du licenciement dans l'air. Donc, non, si. Pour le prix où je l'ai acheté, c'est, je crois que c'était 50 euros. Ouais. Nombre d'heures que j'ai passé dessus, c'est réellement rentabilisé et l'expérience, enfin, le contrat il est rempli quoi. C'est-à-dire que, surtout sur Switch, j'ai divisé mon temps, c'est qu'en fait au début j'ai beaucoup joué en mode portable et j'adorais jouer en mode portable et je me disais, bah, en mode salon c'est quand même un peu moins beau. Mais en fait, quand vous jouez en mode salon, ça, tu vas te faire engueuler. Je t'ai du coin de l'œil, je vais t'engueuler à la fin du podcast. Et non, je l'ai fait pas mal aussi en mode salon. Tout le week-end dernier, j'ai dû y passer 20-30 heures. Je l'ai fait qu'en mode salon. Mmh. Et c'est hyper agréable quand même. Quoi. Et même, moi, si je peux me permettre, je t'ai vu jouer vite fait sur. Donc, j'ai pas eu. Moi, j'ai joué un petit peu en mode. Portable au début du mois. Ouais. C'est vrai que c'est très très agréable. Mais en mode salon, même si c'est moins beau. Tu fais pas attention en fait, tu fais pas gaffe parce qu'en fait. J'ai trouvé quand même que c'était resté agréable parce que l'univers est beaucoup agréable. Là où tu passes de la portable où ton univers est plus compacté sur un petit écran, là tu passes sur un grand écran et en fait, de façon naturelle. Ton champ de vision il est élargi. Et du coup, tu vois plus. Ouais, je sais pas, c'est différent. Ton expérience portable elle est géniale parce que dans le sens où c'est beaucoup plus beau, c'est génial, mais en mode salon, bah je sais pas, j'avais l'impression de rejouer un Zelda. Et je me dis, bah putain, mais j'ai tellement envie qu'ils me sortent les autres en virtual console sur cette console-là, quoi. Ça va être génial, quoi. Tu peux plus te balader avec les poneys. Non, mais j'ai capturé trois autres chevaux. Et en fait, tu sais, quand on a fait la vidéo la dernière fois, je trouvais plus où c'était. Mais c'est qu'en fait, je me suis pas adressé au bon PNJ. Parce que j'ai recherché Il accuse le jeu et c'est lui qui fait. Alors par contre, le jeu a des soucis. Il a parfois des petits bugs. Parce que tu m'as vu gueuler ce week-end, j'ai pété un câble. T'avais un donjon, enfin un sanctuaire, mais le truc hyper casse-couille quoi. À un moment, il fallait que tu tires dans des torches pour pouvoir les allumer, pour pouvoir avancer. Et je te jure, j'étais à l'arc, le viseur était pile poil à l'endroit où ça allait tomber. J'y ai passé une heure et demie, ça n'est jamais tombé dans la lampe. J'ai relancé le jeu, 3 minutes après, c'était réglé. Le mec était là, je peux vous dire, j'étais témoin là. Je me suis tapé partout. Putain, ça me casse la Switch. Ah ouais, j'ai cru que j'allais la déboîter quoi. Et à un moment, je me suis dit, bah, allez, vas-y, je relance le jeu, de toute façon, il reste que ça à faire. Et finalement, bah, c'était bien le jeu qui avait bugué ou je sais pas quoi, parce qu'on. La Switch, elle est géniale, mais le truc, c'est que tu peux pas fermer tes jeux. Sauf si tu quittes l'application. Ça veut dire que si tu vas, par exemple, tu lances un autre jeu, ça va fermer l'application et ils vont te demander de l'éteindre. De fermer l'application. Ah, tu peux pas la fermer. Mais tu peux pas, par exemple, tu vois, faire un option, quitter l'application. C'est de la merde, ça. Ah ouais, c'est de la merde. Ouais. Donc en fait, t'es. J'étais obligé de couper le truc, relancer un machin et à me dire bon allez vas-y c'est bon. Acheter la Switch hein. Non, acheter la Switch. Oui, alors moi je vais vous le dire, acheter la Switch parce qu'aujourd'hui le contrat il est rempli. Ça veut dire que la promesse que nous avait fait Nintendo de nous dire que c'était une console hybride, vous pouvez la prendre en mode portable, en mode salon, la console le contrat est rempli. Ça veut dire que le nombre de fois où je la pose, je déclipse les trucs, je joue en mode salon et puis le matin je me barre, généralement je l'emmène en plus. Parce que je me dis, bah, si jamais j'ai une heure à perdre dans la journée, au boulot, je vais la passer dessus. Bah, j'ai même pas le temps, même pas au boulot, j'ai même pas eu le temps de la sortir au boulot. Pas encore. Pas encore. Je me dis peut-être qu'un jour, si j'ai un peu de time. Vous verrez mon contrat de licenciement à l'amiable. Est-ce que les missions sont répétitives? Alors oui, t'as des missions qui sont assez répétitives. Ça veut dire que je trouve par exemple que les sanctuaires, c'est très répétitif. On t'oblige pas à le faire, mais en même temps, t'es un peu obligé parce que si tu veux affronter Ganon à la fin, t'as intérêt d'être blindé niveau vie. Et d'ailleurs, généralement, tout ce que tu fais au début quand tu débloques les sanctuaires, c'est d'aller rallonger ta barre de vie. Et ça, c'est un peu répétitif, quoi. Et en plus, ils ont la même. Ils ont un peu. Bah, alors après, t'en as qui sont réellement différents, mais c'est pas la majorité. Ça veut dire que sur les 90 que j'ai fait, il y en a peut-être une vingtaine qui sort de l'ordinaire où on va vous demander où c'est pas du tout les mêmes choses. Mais sinon, ouais, c'est assez répétitif et même si ça vient exploiter les pouvoirs parce que vous avez des pouvoirs dedans, et le but de certains sanctuaires, ça va être de vous amener à réfléchir sur quel pouvoir je vais pouvoir utiliser pour en sortir quoi, et atteindre l'emblème du triomphe. Mais sinon, tu as par exemple beaucoup de sanctuaires où en fait ça va être des épreuves de force et où là, tu vois, ça prend pas de sens. Ouais. C'est un peu. Tu les fais pour les faire quoi. Tu les fais parce qu'il faut les faire quoi. Ouais. Et ça me fait chier. Ouais. Épreuves de force Ouais, c'est bon, en fait, ils disent épreuve moyenne de force, épreuve extrême de force, où en fait, t'affrontes un gardien. Tu sais, c'est ceux qui te visent et qui peuvent te niquer en. Ouais, mais après, non.
mais qui peuvent te niquer très rapidement, et où auquel cas là c'est un peu répétitif et c'est un peu chiant quoi. Ouais. Après sur les quêtes qui te sont proposées, après c'est du Zelda, ça veut dire que soit tu rentres pas quoi, parce que on va te demander d'aller allumer des lampes, ou on va te demander pêcher des trucs. L'autre jour on me demandait d'aller chercher des poules. Ouais, ouais mais c'est Zelda, c'est con, mais par exemple bah t'as 20 minutes à perdre, bah tu vas le faire parce que c'est drôle. Et où on va te demander d'aller récupérer des libellules. Ouais. Là aussi c'est casse-couille. Mais bon, tu le fais quand même, parce que si tu vas avancer un peu, tu te dis bon, allez, je vais le faire. Ah, c'est Zelda, toujours été comme ça. Surtout qu'en plus, c'était une quête obligatoire pour un sanctuaire, donc j'étais un peu bloqué quand même. Quoi. Si je voulais faire ce sanctuaire-là, je devais passer par cette phase-là. Oui, tu le pêchais, tes Oui, mais alors là, si tu vois, c'est con, mais il n'y a plus tout ce qui est canne à pêche et tout. Tu les pêches à la. En fait, dès que tu les vois, tu appuies sur. En mode ours, quoi. Donc, non. Là, du coup, je. Si, difficulté. C'est un jeu qui est très punitif. C'est c'est le premier Zelda dans lequel je meurs autant. C'est-à-dire qu'avant je pouvais galérer sur le chemin à suivre. Là, j'ai pas été emmerdé sur le chemin à suivre. J'ai été emmerdé sur les phases de combat où, sans déconner, bah, Nounou se foutra certainement de ma gueule parce que lui, il adore les jeux un peu qui sont casse-couilles là-dessus. Moi, ça me parle pas, ça me fait chier. Et l'apprentissage est douloureux hein, parfois hein, parce que vous prenez des branlées, mais très rapidement. Ça veut dire que tu meurs. D'ailleurs, ça me permet de souligner le système de sauvegarde qui est super bien foutu. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu meurs, à la limite, tu reprends juste avant. T'as pas besoin de revenir 15 minutes avant, c'est quasiment 2-3 minutes avant. Quoi. Mais ouais, l'apprentissage des combats, il est douloureux. Quoi. C'est, l'apprentissage de la parade, sans déconner, c'est un peu la one again. Quoi. Parfois, tu dis, ouh, bah attends, bonhomme, j'ai un peu paré ton coup, là, t'es pas censé m'avoir touché. Quoi. Mais d'où l'intérêt ensuite d'avoir débloqué les pouvoirs des donjons qu'on te propose de faire. Parce qu'en fait, après, les pouvoirs que vous allez débloquer, qui sont en dehors des pouvoirs qui vous sont proposés au début, viennent renforcer en fait soit votre vie, soit... Ouais. Donc ça, c'est assez complet là-dessus. Dernier truc à vous dire, c'est qu'après, une fois que vous avez battu Ganon, seul truc qui est dommage, c'est que donc la cinématique de fin se lance, et on propose de retourner dans le jeu, quoi. Mm. Mais c'est, en fait, ça te relance avant que tu aies affronté Ganon. Ah bon? Ouais, ça se passe pas après. Ah, ça c'est cool. Ça, c'est et cool. Ça, c'est dommage. Moi j'étais. Bah ouais. D'accord. Mais tu vois par exemple. Un jeu, t'es obligé de dire bah non, je vais. Ouais, mais tu vois, moi j'aurais adoré, c'est que. Ça compte que tu l'aies battu. Ça veut dire qu'une fois que tu sors, t'as plus, tu sais, toute l'emprise maléfique de Ganon qui est là, qui soit. Enfin, au niveau du château d'Hyrule, t'as un grand truc qui prouve que Ganon est là. Bah, une fois que t'as fini l'histoire, que tu l'as battu, pour moi, tu devrais réapparaître sur la map, te permettre de faire les derniers sanctuaires qui te manquent. Mais tout en sachant que ça prend en compte ce que t'as fait, et tu l'as battu quoi. Est-ce que si tu reviens, tu verras ça plus tard ce que t'as pas fait. Est-ce que si tu reviens après et que t'as fait d'autres trucs, est-ce que le niveau de difficulté de Ganon n'est pas rehaussé? Je pense pas. Ça pourrait être une possibilité. Je pense pas. J'y crois pas. Sachant que je vous conseille de le faire, c'est qu'en fait il y a deux fins. Il y a la fin si vous n'avez pas débloqué tous les souvenirs de Link. En fait, vous avez une quête qui vous est donnée où en fait vous avez les 12 souvenirs de Zelda. C'est-à-dire que c'est des photos qu'elle a prises et on vous demande d'aller sur les lieux et ça va ramener en fait une séquence cinématique dont Link va se souvenir en fait à un moment qu'il a vécu à ce moment-là avec Zelda. Ouais. Et en fait, soit vous décidez d'affronter Ganon sans avoir fait ces 12 séquences-là et vous n'aurez pas accès à une petite cinématique derrière, soit vous les avez fait, vous avez une petite cinématique en plus et voilà. Quoi. Donc je vous conseille de... je vous conseille de le faire. Quoi. C'est un plus. Quoi. C'est un petit plus. Ça prend si en plus vous allez sur jeuxvideo.com ou Millennium, ils vous montrent les endroits et puis ça se fait en 2 heures. Quoi. Je fais de la pub pour les concurrents. Je suis sympa, non, mais parce qu'ils ont fait un boulot de dingue. C'est qu'au bout d'un mois, t'as quand même une Solus qui est complète quasiment sur beaucoup de sites. Et j'ai trouvé ça super ouf quoi, parce que moi il y a des sanctuaires, sans déconner, si tu sais pas que c'est là, mais tu passes à côté, mais 20 fois, 30 fois, 50 fois quoi. Après, t'as une sorte aussi. Ils ont oublié qu'un prestige là. Ouais, peut-être qu'ils ont su c'est Nintendo, je sais pas. Mais... Ouais, comment tu parles de jeuxvideo.com? J'ai pas dit que c'était jeuxvideo.com. Ah oui. Je laisse le doute. Je vais donner le doute. Non, mais je trouve qu'ils ont fait un travail de dingue et ces sites là et de proposer une soluce au bout d'un mois pour un jeu qui est énorme, c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui a été dessus mais de enfin qui a passé son mois dessus quoi. Et est-ce que Nintendo a fait un boulot de dingue sur ce jeu là? Nintendo a fait un boulot de dingue sur ce jeu et sans déconner. Alors moi j'ai pas joué à la version Wii U, je sais pas ce que ça donne. Je pense que ça doit pas être si dégueulasse que ça. Même si a priori la presse a eu le jeu très tard et du coup pour livrer le test je sais pas combien ils l'ont noté. Mais ouais Nintendo a fait un boulot de dingue et sans déconner. Moi c'est l'un des. J'ai pas fait beaucoup de Zelda, j'ai dû en faire 3 ou 4.
Et pour moi, c'est le meilleur. C'est celui où j'ai adoré être dedans, quoi. Où j'ai pas lâché la console. C'est-à-dire que parfois, j'allais voir Ringo, on se mettait un film. Mais j'étais avec la Switch. J'ai passé mon mois avec la Switch. Je n'ai même pas relancé la PS4 du mois. C'est simple, je prenais ma douche au Switch. Je me rasais au Switch. Ça marche pas très bien. Du coup, tu peux voir que ça n'a pas marché, donc je te laisse deviner pour la douche. Il y a des morceaux partout. Ah, c'est l'instant poétique du soir. Mais non, c'est moi, si je devais donner une note à ce jeu-là, je lui donnerais un 19 sur 20. J'enlèverais un point. Sur Ganon, où ça m'a pas plu qu'on te fasse revenir dans le jeu et où en fait ça prend pas en compte le fait que tu l'aies tué. Et pour moi, c'est un dommage, ouais, quoi. C'est préjudiciable parce que tu vois, à la limite, on te fait en plus à la fin, on te laisse supposer que le DLC qu'il va y avoir en fin d'année, ça va être peut-être une quête en plus. Et te faire revenir dans le jeu en oubliant le fait que t'es quand même battu Ganon, le grand méchant de l'histoire, celui qui va mener vos 65 heures. Bah moi, ça me fait chier, quoi. C'est-à-dire que je me suis cassé le cul 65 heures à finir le jeu, mais qu'on prend pas en compte mon combat final, quoi. Alors, quel est l'intérêt d'un coup Ouais, mais si d'un coup, si tu tues Ganon, quel est l'intérêt de continuer les sanctuaires? Si, parce qu'en fait, les sanctuaires, ils vont t'apporter plus d'endurance. Ça veut dire que, par exemple, tu peux préparer le DLC qui va venir. Ouais. Tu vois, ça t'oblige à revenir, ou même, tu vois, tu peux aller chasser les 900 Korobu, je crois, qu'il y a dans le jeu. Tu peux aller débloquer des quêtes en plus. Enfin. Moi, ça me fait chier de me dire que j'ai passé 65 heures sur ce jeu et que la fin, donc le combat final, le truc qu'on t'annonce dès le départ, il n'est pas pris en compte. Ça me casse les couilles. J'ai l'impression que j'ai passé 65 heures dans le vent, quoi. Et ça me fait chier, ça. Ouais. Alors que ça coûtait rien, en plus, de faire réapparaître le château libéré. Même pas qu'on ait une petite discussion avec celui qui te dit d'aller affronter Ganon, quoi. Ouais. Mais ouais, ça me fait chier, ça... C'est un loupé, pour moi c'est un gros loupé et je me dis que le mec qui à la limite s'est fait le truc en one shot en une heure et demie, pourquoi pas à la limite, pourquoi, enfin ils se sont pas cassés le cul derrière, donc ouais. C'est dommage parce qu'en plus le jeu est génial de bout en bout, sauf là quoi, et le combat final il est respecté, on vous en a fait chier pendant tout le jeu pour que le combat final vous soyez prêts, et moi je sais que j'y suis allé, petite anecdote, en fait j'ai affronté Ganon sans faire exprès. C'est que j'étais en train de regarder une solution sur un site concurrent. Et on me dit, il y a un sanctuaire dans ce château. Je dis, ah putain, génial quoi. Donc je vais dans le château, je me dis, allez, je vais trouver le sanctuaire. Je cherche, je trouve pas. Et à un moment, je rentre dans une salle. Merde, la salle de Ganon. Je me suis dit, à la limite, j'essaye de l'affronter, mais j'avais rien de préparé quoi. Et en fait, toutes les phases que j'avais passées avant en chier, en fait, du coup, j'ai tout remis en pratique et je l'ai niqué. Et du coup, derrière, je me suis dit, ah, c'est cool, je vais découvrir le monde de Hyrule libre, quoi, pour découvrir mes derniers petits sanctuaires, quoi. Bah non, dans ton cul, Guigui. Tu vas te faire foutre, Yomi. Donc ouais, là, pour moi, la promesse n'est pas remplie, et je trouve ça dommage, pour un jeu qui est aussi bon, d'avoir loupé la fin, quoi. Mmh. Et je trouve ça con. Ah si, dernier petit truc, c'est sur la musique, où c'est pas ouf dingue. D'habitude, ouais. Les musiques de Zelda, tu vois, c'est entraînant, c'est les gars en tu tête, sens que tu les as en tête, t'as tout le temps le petit air en tête, quoi. Bah là, c'est... Discret. Trop discret. Ouais. Je dirais même presque absent. C'est... T'as des thèmes, par exemple, quand tu rentres dans le château d'Hyrule, où là, oui, tu sens que tu vas affronter Ganon très prochainement, t'as une musique un peu encourageante, un peu épique, où là, ok... Mais comme tu t'es pas dit à ce moment là, je vais peut-être affronter Ganon en ouvrant cette porte. Si tu... Non, parce qu'en fait, non, mais parce que t'as beaucoup d'armes en fait à aller récupérer au niveau du château, donc tu sais que tu peux accéder au château sans forcément affronter Ganon. Ouais, ouais. Quoi. Et, en fait, moi, c'est que j'ai glissé et j'ai atterri dans la salle. J'ai glissé parce qu'à un moment, j'avais lancé mon pouvoir pour sauter haut et je me suis dit, ça se trouve, c'est tout là-haut quoi. Et en fait, avec mauvaise manip, j'ai glissé et j'ai fini quasiment au niveau de la salle quoi. D'accord. Donc là, je me suis paumé, j'ai glissé. Mais ouais, les musiques un peu trop absentes, et moi je sais que les musiques dans un jeu, ça me parle, quoi. C'est un truc qui me cause, et généralement, en plus, je joue sur l'ampli. Donc je mets à ce moment-là la musique à fond, et là, je ne l'ai jamais mise à fond, quoi. Ouais. En me disant, tiens, allez, c'est épique, je vais vivre le truc à fond, vas-y, hop, quoi, je vais faire péter les watts. Ouais, tu veux dire que, non. Sans vouloir encore le citer, The Witcher, il y avait des musiques, The Witcher, t'étais parti. Même les Assassin's Creed. Tu sais, t'as tout le temps la petite musique un peu entraînante de te dire, allez, putain, là,
c'est, il se passe un truc, quoi, c'est épique, quoi. Bah non, là, tu l'as pas, et je trouve ça dommage, parce qu'en plus, ils ont... Ça fait des années que Zelda s'est implanté chez Nintendo, et ils ont plein de musique, Zelda. Bah, je trouve qu'il y a un petit clin d'œil à Ocarina of Time, ou à Wind Waker, ça aurait été sympa, des petits arpèges, des petits machins. Ouais. Tu vois, quand t'es parfois dans les plaines d'Hyrule, avoir un petit arpège de trucs, bah non, là, c'est beaucoup le vent. Bon, Breath of the Wild, ok. Ouais, mais au bout de 65 heures, le vent... fuck off, quoi. Censuré. Pas autorisé, ça. Donc voilà, moi, j'ai adoré mon aventure sur Zelda. Je vous conseille de le faire sur Switch, tant qu'à faire. À savoir que, oui, par contre, si vous jouez en mode portable dans le train, ce sera pas plus de 3 heures, quoi. Parce qu'il pompe un peu sur la console. Ouais, voilà. Normal. À part si vous avez le nouveau socle. Sauf si vous avez le nouveau socle avec 12 heures de batterie en plus, okay, et que vous avez niqué votre plan épargne logement, là, auquel cas, vous pouvez vous faire un gros kiff. Vous pouvez vous faire un super gros kiff. Vous pouvez vous faire l'aller-retour de la France entière sans avoir... Vous pouvez, ouais, je pense, tu peux faire le tour du monde en 80 jours avec, tu vois. Donc voilà, donc, pour moi, le contrat est rempli. J'ai passé un mois de mars génial dessus, ce qui fait que derrière, tu vois... Non, je sais que je vais me prendre un Yam Setsuna, mais je sais que l'aventure sera pas aussi puissante que je n'ai pu l'avoir dans Zelda, quoi. Et ne rigole pas avec Yam Setsuna, ça y est, si c'est pour faire des jeux de mets comme Ghost Recon, s'il te plaît, je peux faire autant. Oh, l'accusation. L'accusation, oh, c'est pas autorisé, ça. Donc voilà, moi je trouve que le contrat est rempli, et pour... le contrat est rempli, et pour un jeu de lancement, je trouve ça très très fort de la part de Nintendo. Donc pour moi, c'est annonciateur de très bonnes choses par la suite. Et j'ai hâte d'avoir un vrai Zelda développé pour la Switch. Tu prends les DLC du coup ou pas? Ah mais ouais. Ah mais j'hésite même pas, je sais même pas combien ils sont. Ils sont à 200 balles. Je sais pas s'il est sorti le premier, je crois qu'il est pas sorti. Non, pas encore. Mais ouais, je vais les prendre, c'est certain. Même si le premier il apporte pas en arc narratif, même si c'est des petites quêtes à la con, je le prends, j'en ai rien à secouer, c'est du Zelda en plus. Je le prends. Je prends. Je cache. Voilà. Ok. Bon. On va parler de ça. Bah, d'ailleurs, ça va devenir chiant, je vais l'épicer. Mais je voulais l'épicer depuis tout à l'heure, mais au final, je me suis dit, oh. Bah, finalement, il est passionnant, le garçon. Alors, Ghost Recon. Parlons du jeu de l'année. Oula. Hors de Ark. Ark, le jeu de l'année du Macintosh. tourne sur. Atari. Atari. Atari, Dreamcast Limite. Limite. Parce que c'était. Limite. Bah. Ils ont dit qu'il y avait... Alors si c'est ça leur exclusivité, c'est triste pour eux quand même. Ouais, ça m'étonnerait qu'ils aient foutu leur tarif là-dedans. Hein. Ghost Recon du coup, on va parler de Ghost Recon. Pas Ark. Alors Ghost Recon. Donc qui est sorti le 4 mars 2017. Sur toi ? Certain monsieur. Il est développé et édité par Ubisoft, petit jeu bi, hein, qui a été annoncé du coup à l'E3 l'année dernière. Qui m'avait enjaillé, enfin qui nous a... Il n'avait pas été annoncé avant lui ? Non. Il n'y a pas eu une petite cinématique avant, j'ai l'impression que c'était... Écoutez, moi quand je regarde le 3, je suis tellement concentré sur Microsoft que... oui, il y a les autres. Je me plante. Non, ça peut... Ouais, mais je me trouve que c'était le 3 d'avant, tu vois, où ils avaient montré une petite vidéo. Non, je crois pas. Non. Si, ça peut être pas impossible. Bon, je sais plus. En tout cas, enfin bref, c'était pas le 3. Qui m'avait gravement chauffé, et là du coup... Mais toi, tout te chauffe. Non, mais il est... Même vous, vous avez chauffé. Toi, tu te chauffes. Toi, t'es une chaudière aussi. Et au final, je suis un peu déçu, donc après, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, du coup, voilà, vous incarnez un personnage qui est dans une équipe d'élite qui s'appelle les Ghosts. Vous devez défoncer la Santa Blanca, qui est le cartel. Très bel accent, passage. Santa Blanca. Bah, Santa Blanca. Toi, tu en sens que t'as fait des espagnols. Je parle espagnol en deuxième langue. Je parle bolivien. Okay. Bah, ils t'ont pas appelé pour faire le jeu d'ailleurs, pour faire ses traductions. Je ferai le deuxième. Non, il est appelé à Madame. Putain, il va y en avoir un deuxième. Oh la vache, la tristesse quoi. On s'appelle à Madame Balleron, les gars. Donc voilà. Gualette, la fête, ça y aura. Il y aura. Guillermo. Camilo. Et Antonio. Bon, allez, arrête, là, il parle. La Blanca Massara. Donc voilà, donc, pour défoncer la Santa Blanca, vous avez comme terrain de jeu la Bolivie. Donc là, pour le coup, ils ont fait un open world monstrueux parce que vous avez 21 territoires, 11 écosystèmes différents. Vous avez en tout, du coup, plus d'une vingtaine de boss. Donc je sais plus exactement combien. Ouais, c'est pas bossé, Parce que j'ai pas fini le jeu en même temps. J'en suis à 40 heures de jeu. Bah, t'as fait preuve de mauvaise volonté. J'ai rien dit, moi. Il est sorti le 3 mars et j'y ai joué 60 heures. Ouais, on n'a pas le même jeu, monsieur. Ah, on a pas fait 3 vidéos pour présenter un jeu. Bah, ça, c'est eu un tort pour vous, ça.
Normalement, on aurait dû avoir une deuxième vidéo de Ghost Recon, je te rappelle. Ceci dit en passant. Pareil, t'as pas fait a priori, il y en a qui savent. A priori, il y en a qui savent pas servir leur PS4, il leur faut un mode d'emploi. Quoi. Donc voilà, donc à la tête de la Santa Blanca, du coup, vous avez le grand méchant El Sueño que vous devez défoncer. Mais pour ça, en fait, vous devez défoncer tout son cartel autour, donc qui est divisé en 4 compartiments, qui est l'influence, le trafic, la production, et l'autre que je ne sais plus. Enfin bref, du coup, vous devez défoncer tous les petits boss à côté pour enfin arriver au grand boss. Mais pour ça, c'est très très long. Parce qu'en fait, vous devez débloquer les territoires. Donc pour débloquer les territoires, vous devez faire les missions annexes, pour être à la mission principale. Donc c'est très répétitif. Là, pour rien, j'en suis à 40 heures de jeu, j'en suis peut-être à un tiers du jeu. Donc mine de rien, enfin après je joue en solo. Est-ce que tu t'es dit à un moment que c'était pas parce que t'étais mauvais? Non, non. Simplement. Non, 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 non. Non. Mais non, parce que... Samy dessus, s'il te plaît. Non, parce que mine de rien, il est bien comme jeu. Mais je pense que voilà. Samy hein, sur ce jeu. Je peux faire mon jeu ou pas? Tu vas le laisser. Merci. T'inquiète. Donc, voilà, je pense que c'est un jeu qui est vraiment poussé sur le coop, parce que pour ça en fait c'est un jeu qui est basé que sur, enfin qui est basé plus ou moins sur. Il a décidé de t'emmerder, alors il a décidé. Avant même qu'on lance la vidéo, allez, dégage. Je vais les pisser alors. Et sans bruit, hein. Bon, vas-y. Donc, divisé, voilà, pour mieux régner. Bon, allez, Ghost Recon. Qui est basé sur la. Je vais chercher ma lettre de licenciement. Oh là là. Regarde si on est cadré, putain. Oh là là. Si on déconne. Oh le Jean-Mi, quoi. Voilà, donc voilà, donc c'est un jeu qui est basé vraiment sur la furtivité, vous devez rentrer dans les camps parce que bah, vous êtes une équipe de 4, donc vous vous battez contre une armée entière. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment basé, tu peux te cacher dans les fougères, donc ça c'est bien fait, mais l'IA d'à côté reste quand même assez sommaire, elle t'apporte rien de plus. Même du coup quand tu joues en solo, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'en fait t'as que 5 ordres à donner à tes coéquipiers. C'est une autre qui me fait rire. Je vais rester bloqué dessus. Tu peux leur donner que 5 ordres, genre ouais, en mode genre, toi, tu tires sur. Ouais, c'est ça. Tu peux, ce qui est intéressant, c'est les tirs synchro où tu peux du coup désigner 3 personnes. Tu te tires sur le 4ème, du coup ça lance les tirs synchro. Donc c'est pas ouf dingue, tu vois. T'as les rebelles qui peuvent te filer un coup de main en faisant les missions annexes. Ou du coup. T'as les rebelles, c'est quoi? C'est les mecs de la Bolivie. C'est les mecs de la Bolivie en fait, qui sont du coup. Qui sont sous le joug en fait de la Santa Blanca. Et du coup, t'as les missions annexes en fait, qui te permettront de débloquer sur des tirs de mortier par les rebelles, qui vont te faire ramener des véhicules, qui vont t'envoyer des renforts, te faire une diversion, mais c'est tout. Tu vois. Ce qui est intéressant par contre, c'est tout ce qui est personnalisation du personnage. En fait, vous pouvez faire un peu la The Division, parce qu'ils ont pris un peu les sauces de The Division. Ils ont pris un peu les sauces de tous les jeux qu'ils avaient, style Far Cry, des trucs comme ça. Où du coup, en fait, vous pouvez vraiment personnaliser votre perso comme vous voulez. Tout ce qui est. Vous pouvez mettre des vêtements à balles. Un petit peu rien. Vous pouvez mettre des vêtements à balles. Ouais, ça c'est vrai que tu nous l'avais montré dans la vidéo, donc on ne l'a pas, mais c'était ça. Assez intensif. Ouais. Ouais, c'est ça, t'as quand même une personnalisation de ouf. T'as tout ce qui est. Du coup, ils ont mis tout le. Comment ça s'appelle? C'est le Gunsmith de Ghost Recon Future Soldier. Exactement. En fait, t'as l'arme du coup, qui est divisée en plusieurs pièces. Fais pas le con, Jean-Jean. Est-ce que je peux encore punir? Est-ce que je peux revenir? Non, tu reviens pas. Mais du coup, ouais, t'as l'arme qui est divisée en plusieurs pièces où tu peux personnaliser toutes les pièces de l'arme, que ça soit. La crosse, le silencieux, et ainsi de suite. Monsieur le professeur, oui, bah reviens là, viens, putain. Le mec, il nous coupe 15 fois là. Il faut une équipe. Le mec, on le laisse parler là pendant 3 plombes, on ne dit rien, et l'autre, il arrive, il a fini de jouer, il a fini de faire son travail, on dirait. C'était sympathique cette petite vidéo, en fait. Donc voilà, donc, je suis un peu déçu sur. Parce que du coup, c'est vrai que c'est très très répétitif, même si le jeu reste très beau. Il y a des petits soucis au niveau de pop, c'est vrai que Yomi, ça l'avait choqué directement, mais. Non, moi je dis plus rien. Bah, tu peux rien dire de toute façon. Mais du coup, voilà. Et le... En même temps, l'univers est gros. L'univers est gros, donc t'as quand même une map qui est. C'est l'une des plus grosses maps au final qu'ils ont fait, je crois. Ah oui. Mine de rien. Ah oui, oui. Donc, pour Ubisoft, oui. Vous avez quand même un super beau terrain de jeu, c'est... mais ça reste répétitif, les missions sont pas. Tu rentres mal dans le jeu, enfin c'est un peu comme Horizon, tu sais, ça t'accroche pas tant que ça en fait. Tu fais les missions parce que tu veux niquer le boss de fin, mais. À force, enfin là j'en suis à 40 heures de jeu, je pense qu'en coop ça a tout son sens, du coup Que tu déconnectes entre tes ouais, c'est ça, je pense que t'enchaînes plus rapidement les missions, mais en solo, je suis arrivé à 40 heures de jeu, là, mes territoires, pendant une journée je pouvais faire deux territoires, là aujourd'hui je finis pas un territoire parce que ça, à la fin j'en ai marre, quoi. Ouais. Mais voilà, donc ça, c'était un peu le gros bémol du jeu, c'est que c'est très répétitif. Après là, ils comptent, hein, du coup, j'ai vu qu'ils voulaient ajouter un mode PVP. Ah ouais. Un mode PV. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer, je sais pas ce qu'ils vont faire dedans, je sais pas si tu vas devoir avec une base avec. Ouais, ils vont mettre un mode PVP.
Donc je sais pas, ouais, il va pas tarder à les boucler. Du coup, t'as un season pass de proposer avec deux DLC. Donc le premier DLC, je crois que tu vas devoir infiltrer un gang, enfin t'as plusieurs gangs, avec des courses de voitures, pourquoi pas. Et le deuxième, je crois, c'est en fait, tu te fais, ton avion s'est crashé sur la Bolivie. Et du coup, tu te fais courser par des mercenaires qui sont engagés pour le buter. Donc là, tu vas devoir plus survivre. Donc je sais pas, ça a l'air intéressant, mais bon, ça reste des DLC. Hein. Les season pass, j'ai un petit peu arrêté. Ouais, j'ai lâché l'affaire. Donc après, à voir si c'est vraiment intéressant, je les prendrai, mais sinon, je pense je m'arrêterai. Donc voilà pour Ghost Recon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Si, pour ça, vous avez tous les véhicules qu'ils vous proposent. Ça reste une... Est-ce que c'est des Prius que tu conduis? Alors, parce que du coup, j'avais posé la question dans la première vidéo qui n'apparaîtra jamais. qui arrivera plus tard, on en fera une, monsieur. Mais voilà, en fait, c'est vrai qu'au début du jeu, ça m'avait choqué la conduite parce que c'était la conduite était arcade de ouf. Enfin, tu tournais un peu, la voiture s'envolait. Enfin, mais là, je suis à 40 heures de jeu, tu tiens beaucoup plus les véhicules. Enfin, ça reste plus plaisant. Sinon, voilà. Sinon, vous avez un arbre de compétences aussi, j'en ai pas parlé, mais t'as un petit arbre de compétences, la base, quoi. Tu peux améliorer tes points de vie, entre guillemets. Tu améliores tout ton équipement parce que là, vous avez des drones pour repérer les soldats, les jumelles, enfin voilà, vous avez tout un équipement, ça reste intéressant. Mais, voilà. Ouais. Note ? Ouais, je voulais un 16. Ouais, 16 ? Ouais, t'es généreux, 16. Toi, quoi. Non, parce que je pense que... Là, t'avais l'air vachement déçu, alors même je suis déçu. Non, mais je suis déçu parce que je l'ai fait en solo, mais je pense qu'en coop... On prend tout son problème. Voilà, je pense qu'en coop, tu kiffes le jeu, tu vas faire, tu kiffes. Ça peut être accepté par notre comptable qu'on en est deux. Moi j'aurais aimé, mais il y a des prix. Elle est pas ok. Non, je pense déjà, que tu n'as pas payé les horaires de nuit, c'est chiant. C'est super chiant. Hein. Non, mais je pense qu'on coop, oui. C'est ouais, pour ça que je suis un 16. C'est un très bon jeu, il y a des maps qui sont ouf. Mais ouais, il n'est pas écope. Ouais, à voir. Peut-être à y revenir si jamais un nous à l'avenir de Mass Effect. Ouais. Puis là pour l'instant, je ne l'ai pas fini, donc je ne peux pas dire non plus si la trame de fin est intéressante. Parce que pour l'instant, l'histoire, c'est pas. Après, à la limite, rien ne nous empêche, tu sais, à la prochaine vidéo, pour le prochain podcast. C'est sûr, pour le finir, mais. Ouais, aussi. Donc, toucher un mot dessus. D'ici 2 ans. Ouais, d'ici 2 ans et demi, un truc dans le genre. Ouais. Non, mais ouais. Et voilà. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce qu'on fait un petit thème de fin? Alors, on fait un petit thème de fin parce qu'aujourd'hui, on est le jeudi 6 avril. C'était quoi hier? Hier, c'était mon anniversaire. Joyeux anniversaire, Ingo! Merci. Hein, et je remercie d'ailleurs notre artiste qui nous a fait, voilà, qui sait que je suis un grand fan invétéré de Hellboy et de l'univers de Mike Mignola, et qui m'a fait un magnifique portrait de Hellboy dessiné main et à l'aquarelle. Donc voilà, je remercie l'artiste alias Minout, alias la comptable, alias ma maman. Non, et c'est tout ma chérie qui soutient toujours les masteries, qui sait, voilà, qui nous fait plein de petites attentions à chaque fois et qui est, voilà, adorable avec nous. Donc je la remercie encore parce qu'il est magnifiquement beau et je retrouve le Hellboy de Mac Mignola. Et c'est pour ça qu'il est là, c'est pas parce qu'on va parler d'Hellboy, c'est juste parce que je tiens à vous le montrer parce qu'il est superbe. Voilà, donc petit thème de fin, on était donc pour en revenir, à part que hier c'était mon anniversaire, aujourd'hui Xbox m'a contacté, m'a dit coup de poulet, y a pas de souci, c'était ton anniversaire hier, voici ton cadeau, je te donne les spécificités de la Xbox Scorpio, enfin du projet Scorpio, parce qu'elle ne sait pas, Ouais, c'est ce que j'avais demandé, est-ce qu'on sait si... Non, on ne sait pas, donc ce sera aussi la surprise, mais logiquement elle n'est pas censée s'appeler Scorpio, parce que Philou avait... C'est le nom de code. C'est le nom de code Scorpio, qui vient abattre sa proie avec son dard. Donc comme vous le savez, si vous avez regardé la vidéo débat de la PS4 Xbox One entre Yomi et moi, parce que si vous ne l'avez pas oublié, voilà, petit rattrapage, Yomi est un pro PlayStation. Antoine, ouais, mais alors maintenant j'aurais tendance à être changé en revenir chez Nintendo. Moi, le mec il bouffe à tous les râteliers. Chouchou, t'as vu ça, Chouchou? Non, mais ouais, c'est pas Anto, c'est pareil, et en coup je suis le seul de cette équipe Master Geek à soutenir et à combattre. Pour la firme face à l'envahisseur, japonais, à combattre justement ces hérétiques et à soutenir Microsoft et Xbox One. Donc, ils nous ont lancé ces spécificités. Alors, certains critiquent ce côté, on vous balance juste les spécificités et pas plus. Vous les ajustez ou pas?
Non, on les a pas notés, mais normalement, le stick Antonia, l'espagnol de l'équipe, comme on le dit, monsieur était à Bolivia tout le mois. Tout le mois, là, pour la Bolivia, et j'ai pas de le dire que Pedro, là, il a envie de nous dire la spécificité de la Scorpio. Donc, le projet Scorpio, une très belle initiative de Microsoft, censé être, ne pas être une nouvelle console Microsoft, mais censé être une Xbox One survitaminée, ultra en mode russe. Russe des années. Genre Rocky, le genre combat, Rocky, au stéroïde. Rocky face à la Russe. Face aux Russes. Face aux Russes, oui. Tout à fait. J'allais dire face à la Russie, mais je me suis arrêté en cours, tu vois. Ah, on va avoir des problèmes avec Poutine et on va vite rigoler, les Master Geek. On va fermer notre gueule très rapidement. J'ai jamais qui nous écoute. KGB. Donc, alors, dis-nous les spécificités de la Scorpion actuellement. Alors, le processeur principal, 8 cœurs. X86 customisé et cadencé à 2,3 GHz. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais ça a l'air intéressant. Ça a l'air d'être bien, ça. Hein. Processeur graphique composé de 40 unités de traitement customisé à 1176/72 MHz, produit par AMD. Mémoire 12 Go GDDR5. La bande passante elle est de 326 Go par seconde. Un disque dur de 1 Tera en 2,5 pouces. 1 Tera, je trouve ça très faible. En passant. Ça, c'est pour la lecteur optique Blu-ray 4K UHD. Du coup, il y a la comparative de la PS4 Pro que je peux balancer. Du coup, ça pourrait être bien. Vas-y, ça mange pas de pain. La PS4 Pro, le processeur principal est de 8 cœurs Jaguar cadencé à 2,1 GHz. Donc, c'est. Alors que la Xbox Scorpio est à 2,3. Ouais. Processeur graphique composé de 36 unités de traitement GCN amélioré à 1172. Donc, ça, c'est à peu près. Ça, c'est pour ceux qui s'y connaissent un peu, parce que je vous avoue que tout ça, moi ça ne me parle pas. Mais en gros, elle est un peu plus puissante que la PS4. Plus puissante que la parce PS4. Que déjà, la bande passante par rapport à la PS4, est à 218 Go. Ouais, contre 326. Contre 326, est un lecteur Blu-ray. C'est tout. Alors, et là, t'as un lecteur Blu-ray 4K. 4K UHD. Donc voilà. Donc en gros, on est arrivé sur là actuellement. Pour le moment, les spécificités sont tombées. Xbox a décidé de lâcher ses spécificités sans dévoiler de vidéo. Mais actuellement, c'est la console, quand elle sortira, sera la console la plus puissante jamais construite. Avant la prochaine PlayStation. Non, même pas. Bah, même pas. Moi, je dis, il faut pas dire. On verra. Mais alors, moi, tu vois. Moi je vais revenir sur ça, c'est con, hein. Mais tu vois, mais c'est con, mais t'en as envie tellement. J'en ai envie, hein. Mais c'est que tu vois, pour moi, que ce soit PS4, hein, que ce soit PlayStation ou que ce soit Xbox, moi ça me fait quand même chier qu'on ait des consoles de mi-génération et j'arrive pas à en démordre, quoi. C'est, je me dis, à la limite, quand tu vois que t'as été largué par le PC, c'est chiant, hein, mais dire que bah, c'est une nouvelle génération, que le progrès fait que c'est comme ça et que c'est pas des consoles de génération, faut passer la génération. C'est ça que je comprends pas, tu vois. C'est pourquoi, là, tu vois la Scorpio, moi j'avais l'espoir de me dire c'est les premiers à être sur cette génération-là. Et ce que tu dis, c'est aussi, tu te contredis parce que tu dis il faut accepter le changement. Mais le changement, il est là, on te dit il y a des mi-générations. On veut dire je veux pas. Je te disais pas que je veux pas le démat. Je te disais juste que ça arrive de plus en plus et que ce qui me fait chier, c'est que de plus en plus on va arriver vers on n'aura plus besoin de console. Ah, mais c'est pas encore fait. Non, c'est pas encore fait, mais on va voilà, moi je suis quelqu'un qui me projette, tu vois, je vois dans l'avenir. T'emmènes McFly, non, avec toi? Oui, je vois l'avenir. Je sens la force. Vador est là. Il est venu pour moi. Donc non, tu vois, c'est j'aurais adoré, tu vois, comme elle arrive un an après la PS4 Pro, d'être celle qui a les couilles de dire bah, comme du coup j'ai suivi là sur toute cette génération là, dire maintenant c'est la nouvelle génération. Et, tu sais, celui qui redonne un peu l'impulsion, parce que là sur la génération qui vient de passer, sur les 4 ans qui viennent de passer, ils ont été derrière. Et tu vois, ce qui aurait été intéressant, c'est de se dire bah là on arrive et on donne le tempo. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas prêt chez PlayStation, si vous n'êtes pas prêt chez Nintendo, c'est votre souci. Et encore que Nintendo, tu vois, ils sont dans la même année. Mais les joueurs, ils réfléchissent par année. Et dire que bah, la PlayStation 4 Pro, à la limite, elle est sortie en 2016, bah là, on est en 2017, t'as la Switch qui sort, bah c'est le moment pour Xbox de dire la nouvelle génération, elle démarre et c'est maintenant. Et c'est tout de suite. Et alors, en coup, tu tues ta Xbox One S. Ouais, c'est ça, c'est que dans le coup, en fait, ils veulent pas. Dans le coup, t'as plus de Slim. Ils veulent pas faire leur gros des ventes sur la Scorpio, c'est ça le truc aussi.
Ils préfèrent faire leur grosse vente. En fait, ils l'ont clairement annoncé, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que leur ligne narrative, c'est voilà, vous aurez aujourd'hui la possibilité, comme les PlayStation, d'avoir quatre gammes différentes. Quatre gammes totalement accessibles, plus ou moins en fonction du porte-monnaie. Aujourd'hui, vous allez avoir, donc là, en prenant l'exemple de Xbox, vous allez avoir la première Xbox première génération, beaucoup moins puissante que les autres, à un prix qui baisse parce que les autres sont sortis. Donc vous aurez une console beaucoup moins chère, plus accessible et pouvoir jouer au même jeu que tous les autres. Mmh. Après, vous aurez la Xbox One S plus récente avec des meilleures spécificités, les possibilités d'avoir de la 4K, possibilités d'avoir du 4K à la directe, s'il vous plaît. Donc voilà, avec un look beaucoup plus joli, beaucoup plus moderne. Ah, voilà. Donc là, et ça reste encore pour un porte-monnaie de moyen. Même très abordable. Très abordable. 250 euros la console, c'est plus qu'abordable quand même. Et ensuite, vous aurez la possibilité d'avoir une gamme beaucoup plus puissante. Et dans le coup, là, ça sera plus qui sera réservé donc, essentiellement aux gros gamers. Et on vous dira, voilà, si vous avez vraiment envie de pousser vos capacités, vous avez une télé 4K ou pas, moi je m'en fous parce que ça, c'est pas un argument de vente pour moi. Même si ça fait de la 4K, j'aurai la télé 4K plus tard. Je m'en fous, j'achèterai la Scorpio. Mais les hard gamers, voilà, voici ce que vous nous critiquez tant. Le PC, c'est tellement mieux, ils ont des meilleures capacités. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on vous propose un intermédiaire. On ne vous propose pas un PC, on ne vous propose pas une console de base, on vous propose une console survitaminée avec des capacités beaucoup plus grandes. Et avec un portefeuille, par contre, dans le coup, beaucoup moins accessible à tout le monde. Et ils l'ont dit. Hein, après, on ne sait pas combien elle sera. Parce que si elle est à 500, à la limite, c'est pas si inabordable que ça. Oui, mais elle sera beaucoup plus inabordable que les autres consoles qui sont actuellement sur le marché. Parce que pas tant que ça par rapport à la PS4 Pro. Non, mais même par rapport à la PS4 Pro, tu vois, elle est à 400 balles actuellement et je pense qu'il n'y aura pas de baisse de prix d'ici la fin de l'année. J'y crois pas trop. Et à la limite, tu vois, arriver à 100 balles de plus, c'est. Enfin, les joueurs, si c'est rien. Et puis on habitue, parce que cette génération-là, tu aurais eu 100 balles de plus. Oui, de toute façon, avec Xbox, on habitue, après, il est plus cher d'habitude. Ça fait que depuis là, l'an dernier, où on est habitué à payer un peu moins cher sur Xbox que sur PS4. Tout à fait. Mais moi, je trouve pas ça. Si c'est à 500 balles et que ça dépasse pas les 500 balles, mais on sait pas actuellement. Mais ça se trouve, ça fera 600 balles. À la limite, ce sera 600. Mais le cap des 500, il est dur à passer dans la tête des consommateurs. C'est vrai. Mais si c'est 500, ça passe. Si c'est 600, ça passera moins. Et ça passera beaucoup moins. Parce que dans la tête des joueurs, 600 balles, tu te rapproches du prix d'un PC. Mais pas d'un PC gamer. Mais pas d'un PC d'un gamer. Mais tu sais, là, dans leur tête, les joueurs, ils sont. C'est con. Mais tu vois, t'as des cartes à passer. Et PlayStation, ça fait des années qu'ils t'habituent à te dire qu'une console de jeu, ça coûte pas plus de 400 euros. Un hardware, ça coûte pas plus de 400 balles. Ah, mais pas avec les mêmes spécificités aussi. Pas avec les mêmes spécificités, mais ils l'ont enregistré dans la tête des joueurs. C'est que ça fait 4 ans qu'on est habitué chez PlayStation à pas dépasser la barre des 400. Alors, faut pas que Xbox aille plus loin que la barre des 500, tu vois. Et c'est clair, c'est quand même l'intérêt de la mettre à 600. Faut pas la mettre à 600. Au moment, les Wii Dear, c'est 499 euros, sans de confirmation, parce que Xbox n'a pas. A juste donné les spécificités de sa console en. D'ailleurs, tu vois, c'est aussi ça qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on t'annonce. Donc, ça fait 5 jours, enfin, à peu près 5 jours qu'on sait que ça a fuité, qu'il y aura une annonce de la part de Xbox pour la Xbox Scorpio. Tu vois, je trouve ça un peu lège aujourd'hui d'arriver donc, au 7 avril et de venir juste avec donc, le déroulé des spécificités dont on se doutait un peu, qu'elle avait un peu fuité il n'y a pas si longtemps, il y a un mois et demi, je crois. Plus ou moins, où tu avais fait un truc là-dessus. Ouais. Et juste une image de jeu. Tu vois, je trouve que c'est un peu lège. À la limite, tu fais un peu un peu comme avait fait PlayStation à l'époque. Je me rappelle, j'en étais même sorti déçu de cette conférence. Mais là, tu vois Xbox qui dit qu'ils n'auront pas le temps pendant la conférence E3 de tout aborder et qu'ils étaient obligés de communiquer avant. Bah, moi, j'aurais trouvé ça intéressant de faire un peu à la manière de PlayStation à l'époque. C'est de faire une conférence et là, où tu montres beaucoup d'images de jeux, beaucoup, où tu dis maintenant les jeux ce sera ça, et où c'est con, mais juste montrer la manette, ou montrer tout un système, par exemple, juste l'interface de la console, tu vois, mais donner un peu envie, et à la limite, pendant la conférence, quand tu sais qu'en plus ça déplace ta conférence à la veille pour pas être face à PlayStation ce jour-là, et bah là tu lances que du hardware, tu lances du jeu, tu lances du hardware,
Et putain, mais là, cette la rythme ta conférence, elle est blindée. Et là, Filou, il ressort victorieux. Il dit, mais là, Filou, il sortira victorieux parce que pour moi, ils ont fait ça. Parce ouais, que mais tu vois, par exemple, que... là, quand on regarde sur la fin d'année, on sait pas les jeux qui vont ouais, sortir mais, sur, PS, sur Xbox. Et ben juste bah là, ça veut dire qu'ils ont hardware à montrer. Ils ont mais mec, les ils n'auront pas tout le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas 10 heures de conférence. Mais mec, ils ont pas. Bah oui, justement. Et si tu leur dis ce que tu viens de me dire, ils ont... il leur faut bien plus de 3 heures. Et regarde, on avait reproché, moi je me souviens très bien, rappelez-vous de la PS4 Pro et de sa conférence. On était le déroulé, c'était le déroulé sur PowerPoint au fond en disant voici ce que c'était va proposer. Les travers de PlayStation. C'était, voici ce que va proposer les capacités ouais, de mais, la PS4 Pro. Laisse-moi terminer, ce que va proposer la PS4 Pro. Aujourd'hui, Microsoft, ils disent voilà, voici nos spécificités, vous vous posez la question, ouais, on vous interroge dessus, et voici ce qu'on vous propose comme ça. À l'E3, on arrive, on vous montre la console, on vous montre les jeux qu'il y a dessus, on vous montre la capacité de la 4K, enfin, et du projet Scorpio, on vous donne le nom du projet Scorpio, on vous donne le prix, et en plus de ça, des spécificités, on n'a pas besoin de vous les rappeler parce qu'on vous les a déjà dit avant. Donc on s'emmerde pas avec ce petit côté un peu chiant, un peu relou que tu peux avoir dans les conférences qui, justement, peut tuer ta conférence parce que tu peux commencer comme ça. Ouais, mais alors en plus, t'as déjà l'étape des jeux indés où tu retombes un peu et tu. Non, moi ça m'énerve. Ça m'énerve oui, mais c'était sur un jeu, quoi, en général. Un bah, Cuphead Cuphead, il va tourner sur quelqu'un, mon gars. Mais non, mais tu vois, par exemple, la conférence PlayStation, elle a été loupée en septembre parce que déjà, il y avait eu des fuites sur la PS4 Slim. Non, sachant et à mon avis, tu vois, toute la conférence, elle a merdé à partir du moment où il y a eu des fuites sur la PS4 Slim. Et je suis sûr qu'elle aurait été différente s'il n'y avait pas eu de fuite. Si on n'est pas su à quoi ressembler. On savait à quoi ressemblait la PS4 Pro avant même qu'elle soit annoncée. Donc tu vois, t'as tout. On est il y a la conférence, elle a été pétée avant même d'être faite. Le présentateur était à chier aussi. Hein. Bah, c'était. Ouais. Mais par exemple, tu vois, je me dis, un Nintendo est arrivé au mois de d'octobre, ouais. Novembre, avec une vidéo de 3 minutes. Mais tout était dit. Ouais. Et tout était montré. Et pourtant, tout n'était pas montré. C'est ça qui était fort. Ça veut dire que. On t'avait montré une vidéo de 3 minutes, on te montrait vite fait à quoi ça ressemblait, qu'est-ce que c'était la philosophie Nintendo. Et bah si tu dis que tu vas faire une petite vidéo tout con, bah une petite vidéo de 3 minutes, j'aurais été ravi. En plus des spécificités, tu lances ton spécificité un peu à la con, parce que nous ça nous parle même pas, nous les joueurs, ça nous parle même bah pas ouais, d'avoir... Coup, quel est l'intérêt de la garder pour le 3 alors cette vidéo avec les spécificités Mais non, mais pas même pas une vidéo avec les spécificités, une vidéo où on t'explique le concept. Tiens, l'interface... Ils l'ont fait et vous l'avez ça. Critiqué parce que c'était une carte mère. Et le concept, il était pris en vidéo. Mais non, mais le concept, il était là. C'est la console. Le concept, il était. Bah, fallait pas le montrer comme le ça. Le concept, il était là. Il était mal montré alors. Mais le concept, parce que là, le concept, tu le mets par exemple. Alors, non, la vidéo faisait 5 minutes. Je n'ai rien compris de la vidéo. Ouais. Tu lances la vidéo. Parce qu'on a été coupé, on s'est trouvé à couper la conférence pour retourner ailleurs parce que ça avait craché. Ouais, en la regardant, mec. Mais moi, je l'ai regardé et je la kiffe autant. La musique était là, mec. Il y avait les plus gros développeurs de chez Microsoft qui étaient là. Tu sais rien. La Scorpio t'en sort, tu n'en sais rien. Alors que la Switch, la vidéo, elle était courte, elle faisait 3 minutes, mais tu savais à quoi t'attendre. C'est-à-dire que tu savais que c'était une console hybride, tu savais comment tu pouvais t'en servir. Le message, il est clair, il est passé, le consommateur, l'acheteur, il a compris. Il est clair, mais il est faux parce qu'aujourd'hui, j'aurais dû te la vendre en console portable et te dire que c'est une console portable qui fait du ça. C'est une console hybride qui est plus portable que ça. Voilà. Et encore au final, le concept, il a été montré à l'E3, on t'a dit, ce sera la console la plus puissante que vous n'avez, sur laquelle vous n'avez jamais joué. Elle fera de la 4K à donf et vous aurez une expérience de jeu de ouf. C'était ça le message de Microsoft et c'est ce message-là que t'attends et c'est le message que t'as eu à l'E3. Et aujourd'hui, quand on mais arrive c'est pas en fait, un bon parce message, que, parce que tu sais quoi, parce que le message, il va même... Moi j'aurais adoré, tu vois, qu'on me montre l'interface de la console à la limite, ou même la future manette, ou je sais pas, un truc qui me mais donne normalement, envie. Mais normalement, la manette est censée être la même plus ou moins que la Xbox One parce que c'est pas une nouvelle génération. Et c'est ça que tu veux pas t'enlever de la tête parce que t'es resté buté sur les années Dreamcast à avoir une console qui est-ce fait que ça. C'est gagné, et pas. Tu veux. L'évolution, tu ne l'acceptes pas et je ne suis pas forcément pour non plus, mais elle est là. Aujourd'hui, PlayStation, Xbox et peut-être la Switch, peut-être les ouais, sur le, ce travers-là. Si tu veux choper le joueur, il faut que tu lui montres. Et faut que, pour lui montrer, il faut lui montrer de la console. Parce que là, il faut lui, faut lui donner envie. Et bah la console, chauffer, elle sera montrée et à l'E3. Et moi, des spécificités, ça me mais parce que pas. Là, on n'est pas à l'E3. Oui, mais à l'E3, il a dit qu'il n'avait pas le temps de tout faire. À l'E3, il a dit qu'il n'aurait pas le temps de tout faire, donc il enlève les spécificités, il va se concentrer mais c'est sur pas les, le c'est vie. Pas un tableau PowerPoint de spécificités mais... qu'aurait tout pris là. Bah, c'est ce qu'on a vu à la PS4 Pro, et à la fin, on a enfin vu, au bout d'une heure et demie, on a enfin vu la console qui portait un bras de corps, qui ressemblait à un triple cheeseburger, excusez-moi McDonald's, mais voilà. Et c'est ce qu'on a reproché à PlayStation,
on est jamais, t'es jamais satisfait. Quand c'est Xbox, vous êtes jamais satisfait. Non. Et aujourd'hui, non, ils enlèvent ça, et je vous dis qu'à l'E3, ça va être... Parce que, mais, à la limite, pas des choses. L'image, alors, parce que là, on a dans une image dans de la Forza. Oui, mais parce que sinon, ils ont plus rien à présenter à l'E3. Non, mais entre tout et rien, il y a une limite. Non, là. Mais mec, là, c'est comme si on avait rien. À mon avis, ils veulent faire un E3 qui sera à l'image de cette nouvelle console. Oui. Un E3 qui sera puissant, un E3 qui sera rythmé, un E3 qui sera genre une conférence qui sera survitaminée. Donc ils auront besoin de la patate, d'enchaîner, qu'on se dise putain, il y a des. Ouais, mais tu vois, on a pas le temps de réfléchir, mais il y a trop de trucs. C'est ce que j'ai envie de te dire, c'est ça que tu comprends pas. C'est que moi je t'ai dit, ça fait des plombes qui disent qu'ils vont pas avoir le temps de tout montrer. Alors moi je m'attendais à une conférence. J'étais persuadé qu'ils allaient faire une conférence avant. Bah moi balancer des spécificités, ils ont pas pour moi c'est pas le spécificité qui aurait pris il a pas fait ça, les trois quarts de ta il a pas dit tout à fait ça, il a dit on n'aura pas le temps de s'attarder entièrement sur le projet Scorpio parce qu'on a d'autres trucs, plein d'autres trucs à vous présenter, donc forcément moi les spécificités ça me parle pas donc, mais ça permet à personne, honnêtement, ce qu'il est présent aujourd'hui, voilà, aujourd'hui je sais que c'est ouais, mais qu'est-ce qui va te donner envie d'acheter la console, mais parce que c'est non, mais ça, voilà, qu'est-ce qui te donne envie d'acheter une console, de l'avoir. Mais de l'avoir, et pourquoi tu la présenterais là maintenant? Ils vont te la présenter à l'E3. Mais même pas forcément. Mais quand t'arrives à l'E3 avec... montrer, tu sais, des... Mais c'est con, mais la PlayStation, en fait, on ne le savait pas à l'époque. Mais ils nous avaient montré, en fait, la PlayStation. Au moment où ils ont montré la manette. Parce que c'était des images un peu clac, clac, clac. Si tu voulais reformer le truc, t'as une idée à peu près à quoi ressemblait la PlayStation. Pourquoi ils ont pas fait à peu près la même chose? Tu sais, ou genre un petit truc où t'as un petit effet flouté. Où, mais tu sais à quoi on ressemble à l'intérieur, mec? Mais je m'en bats les couilles, voilà. C'est la vie, mec, la vie. Non, mais c'est naze, non, mais ça, c'est en tout cas, ça, là, tu dis ça, mais pourquoi me montrer la console alors que t'as la conférence 3 qui est la conférence la plus suivie? Mais dans ce cas, tu montres des images de jeu. Et ben, mais là, le 3. Mais à l'E3, ils ont dit qu'ils avaient pas le temps. Mais parce que tu vas voir ce qu'ils vont présenter, mais laisse leur temps, mec. T'es trop... Parce que là, t'es trop dans la patience d'avoir l'E3, mais l'E3, c'est en juin, Coco, on est en avril, là. Attends. Et ça serait dommage de montrer, de montrer oui. maintenant. Oui. Oui. Oui, oui. J'ai les organisateurs de l'E3, on avance, là. Mais voilà, mec, il faut prendre le temps, et Microsoft, ils ont eu marre, peut-être. De toute façon, ils allaient se faire voler leur... C'était sûr qu'ils se feraient voler leur spécificité et que ça allait tomber à l'E3. Donc, à la limite, au lieu de faire comme l'année dernière et se faire niquer tout leur programme, et ben, ils... cette année, de toute façon. Je pense pas. Est-ce que je mets mon tarot? D'ailleurs, c'est la console. Ça ressemble à la console avant la conférence. Ben, je pense pas. Parce qu'on le saurait maintenant, déjà, je pense. On est en avril, on le saurait maintenant. Parce qu'on voit l'image qu'on met tout le temps, c'est la carte mère que vous avez bannée, mais c'est toujours la même image qu'on voit. Oui, mais c'est dommage. On sait pas le prénom de cette console. Est-ce que ça sera une Xbox One XXL? Est-ce que ce sera la Dreamcast 2 Jumbo ou... Est-ce qu'il y a un partenariat avec Sega? Il y a forcément un partenariat avec Sega. Sega, partout, c'est... Sega, c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi, mec. Ils sont en secret, tu les vois pas, ils sont un peu partout. Atari aussi. Mais voilà, mec. Là, je trouve que c'est bien. Écoute, moi, ce que je trouve que... Moi, je trouve ça lèche. Aujourd'hui, je trouve ça lèche. Là où c'est... Ouais, mais tu trouves ça lèche. Mais là où je trouve que c'est fort le café... Je trouve qu'à la limite, tu vois, ils auraient mieux fait de pas du tout communiquer et on aurait eu les spécificités comme ça. Et ben non, parce qu'aujourd'hui... J'aurais été content. Et on aurait été agréablement... Tu vas sur le site de jeux vidéo, sur le site de... Par exemple, tu prends Gameblog. Aujourd'hui, l'actualité du jour, c'est 4-5 articles sur Xbox. Ouais, on l'aurait su de toute façon. Ça fait de la pub. Ça fait de la pub. Ça fait forcément de la pub. Ouais. Ça a un impact forcément. Je vais te dire un truc. Moi, pour moi, le début d'année de Microsoft, c'est un loupé total. Non. Si tu reprends de janvier à avril, c'est un loupé total. Ça veut dire que tu n'as aucun jeu estampillé Xbox, hormis Halo Wars 2. Ouais. C'est daubé. Ça plaît pas aux Européens et tout le monde le sait. Le temps de communication, il n'y en a aucun. Ou quand il y en a, il est mal fait. Là c'est con, mais c'était le moment de marquer. Temps de communication. Pour moi, tu vois, là ils communiquent tout le temps. Là c'était un temps de non. Ils communiquent tout le temps, je vais te dire un truc. On a passé son mois de janvier à communiquer. Ouais, mais on n'en a pas parlé. Si, on a fait que ça. Dans mes news, il y a que ça. Au mois de janvier alors. Au mois de janvier, février. Et c'était pour parler de quoi? Pour dire quoi? Sur la Scorpio, sur l'avenir de la Xbox, sur ce qu'on... Sinon, je vais dire un truc. Xbox, en début d'année, face à Nintendo, face à PlayStation, c'est un... Mais est-ce qu'ils avaient intérêt, est-ce qu'ils avaient de l'intérêt à se pointer face... Parce qu'ils ont rien, ils ont rien en début d'année. Mais est-ce qu'ils avaient l'intérêt à le faire? Avec une Switch qui a cartonné. Honnêtement, aujourd'hui, t'as la Switch en face, est-ce que Microsoft aurait vendu son jeu alors que derrière t'avais... Il n'y a pas de jeu chez Microsoft. Mais est-ce que s'ils avaient mis un jeu à cette date-là, est-ce qu'ils l'auraient vendu? Aujourd'hui, la Switch... Ils l'auraient mis en janvier, il y avait. Il pouvait. En janvier, il pouvait largement. En janvier, juste après les fêtes de Noël, ou la plupart février, des jeux... Début février, tu pouvais. Il y avait rien. Début février, alors que tu avais des jeux d'Ubisoft qui arrivaient, qui étaient forts de café.
Attends, c'était le 28 février qu'il est sorti son jeu. C'est pas des jeux qu'il y a eu chez Ubisoft. Non, je parle de Ubisoft et je parle de... Il y a eu des jeux. Il y a For Honor, Ghost Recon. T'aurais sorti une exclu Microsoft, Ubisoft, il passe à la trappe. Pas forcément. Oh, si. Mec, non, pas forcément, parce que Ubisoft... Moi, tu vois, je vais dire un truc, c'est qu'ils ont loupé leur... Enfin, ils ont loupé leur début d'année. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu parles de PlayStation et tu parles de Nintendo. La politique de Xbox, c'est plus les débuts d'année. Et je trouve que tu vois... C'est les fins d'année. Ouais, mais ça, tu, là, enfin, le marché, il fonctionne pas en fonction de comment tu as décidé qu'il fonctionnerait. Le marché, c'est toute l'année. C'est ah ouais, mais bah alors pourquoi aujourd'hui, PlayStation est capable de dire au marché que la console, elle ferait 300 euros. Et bien, ils ont été capables, ils ont imposé leur vision. Si tu n'imposes pas un peu ta vision, c'est ce qu'on a reproché à Microsoft en disant « t'es pas assez incisif ». Ouais, mais pour moi, une année, ça se passe pas sur 6 mois, ça se passe moi, sur 12 mois. Moi, je suis pas d'accord. Et Nintendo l'a d'ailleurs compris, même à ses dépens, et l'a compris et l'a remis en place. Ça veut dire que, d'accord, t'as pas beaucoup de jeux actuellement qui sont sortis en éditeur tiers. Par contre, ils ont compris que, eux, leurs jeux, fallait qu'ils étalonnent leur sortie. Donc, t'as une sortie d'un Zelda à la sortie du jeu. Sauf que c'est pas pareil. T'as un Mario Kart Nintendo, en avril, c'est encore à t'as pas. Un Splatoon en milieu d'année. T'as un Mario Kart, enfin, un Super Mario fin d'année. Et oui, l'année, elle se fait sur 12 mois. Qu'est-ce qu'on se rappelle ? Qu'est-ce qu'on va retenir de ce planning que tu viens de nous dire ? C'est que des jeux Nintendo. Oui, mais ton constructeur, le constructeur, il a compris. Le message, il est clair. Et PlayStation. T'as une console, PlayStation, t'as Horizon, t'as eu Gravity Rush en début d'année. T'as déjà deux jeux qui sont. Non, c'est pas de la merde, c'est deux jeux estampillés PlayStation qui ont une renommée PlayStation. Et qu'est-ce qu'il y a à venir ? Il y a eu. Là avant ? Je sais plus là. Il n'y a pas grand-chose, bah ouais. Ouais, mais ça va arriver. Il y a des ça. Moments de creux partout. Je trouve que là chez Xbox, c'est quand leur dernier grand jeu qui est sorti ? Leur dernier grand jeu à eux ? Oui. Halo Wars. Gears. Gears, c'était quand en octobre. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. 7 mois. Sauf que il y a Halo Wars. Donc il y en a qui l'ont acheté. Alors, Halo Wars, j'aimerais bien voir les chiffres de vente. Je suis sûr que ça fait que dalle. Hein. Bah, par rapport à un Gears, c'est sûr que non. Ah non, mais même par rapport à. Mais je veux dire, même par rapport à n'importe qui. Bah, tiens, faudrait même presque qu'on les compare à des jeux qui sont sortis en début d'année. Là. Un Resident Evil ou un machin. C'est pas la même. Resident Evil, Halo Wars, ça ne parle à personne. Son succès et Halo Wars, je veux dire un truc à la limite, c'est que je pense que ça marche beaucoup mieux sur PC que ça ne fonctionne sur console. Donc je pense qu'ils en ont même pas vendu des mais je vais te dire, regarde, reprends encore ce début d'année. Resident Evil avec le VR. Avec tous les jeux qui sont sortis dernièrement. Honnêtement, c'est pas. Tiens, judicieux. Voilà, tu vois, tu me rajoutes Resident Evil à la limite qui est. À chaque fois, cher. On dit, le marché, il est blindé, tu peux pas tout acheter, tu passes à côté tu de plein de jeux. Tu sors au moins une exclu. Pour moi, il faut que tu sortes au moins un truc, parce que si ou sinon tu le sors en décembre. Mais pour moi, attendre d'octobre à enfin avril, et encore avril, tu n'as rien, mai, tu n'as rien, juin, tu n'as rien de prévu. Là, actuellement, jusqu'à l'E3, il n'y a rien de chez Xbox. C'est vide. Alors qu'à côté, tu as des constructeurs qui font parler d'eux. Tu as la sortie de la Switch. Alors d'accord, il n'y a pas beaucoup de jeux, mais tu as des jeux quand même. Oui, mais la Switch, elle arrive avec un nouveau hardware. Forcément, elle surfe sur son succès. Tu as la PlayStation, à la limite, qui arrive et qui dit, bah tiens, vous avez un Horizon, vous avez Resident Evil en VR, vous avez... T'as Gravity Rush 2, t'as des trucs, il y a communication et tu n'oublies pas le constructeur. Tu y a pas communication. Lâches pas ta console. Non, il n'y a pas communication de PlayStation. Tu n'en entends jamais parler. Il y a des jeux. Il n'y a pas de jeux. Actuellement, il n'y en a pas. Par exemple, moi je peux te dire que je suis quasi sûr que God of War il sera là à la fin de l'année. Est-ce que tu peux me citer un jeu chez Xbox qui sortira en fin d'année? Voilà, c'est la surprise. Il y aura un jeu à la fin de l'année. La surprise depuis le mois d'octobre, je trouve que c'est un peu. Mais il y aura avant le mois d'octobre. Il y aura que peine. Mais non, mais mec, arrête, parce que tu vois, tu sais très bien qu'il y aura des jeux, toi tu pars du principe qu'il n'y aura pas de jeux. C'est pas possible. Sauf que toi, tu ne veux pas être d'accord du fait que tu peux pas savoir les jeux qu'il va y avoir. Ta première parole, c'est de dire que le jeu vidéo, c'est un monde qui vend du rêve. C'est un monde. PlayStation 5. Il n'y a pas de rêve. Et bah aujourd'hui, tu dis qu'est-ce qu'il va y avoir. Et là, tu peux imaginer. Tu peux t'inventer sur qu'est-ce que je vais avoir. Non, mais alors, à la limite, PlayStation se fout souvent de notre gueule. Ok, ça, c'est clair et net. Ils nous montrent des jeux à venir. Mais à la limite, on a beau leur reprocher ça, c'est que tu sais à peu près ce que tu vas avoir. Et c'est con. Mais moi, je sais que je vais avoir un Death Stranding. Je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais je peux me projeter. Alors d'accord, ça vous fait pas rêver, mais un Shenmue 3, je sais qu'il va arriver un ou un autre. God of War, je sais qu'il arrive. Le jeu de zombies, là, je sais plus comment il s'appelle. Là. Death Gone, je sais qu'il arrive. Tu vois, c'est des trucs où je sais que ça me parle. J'ai une image, je sais pas quand ça arrive. Mais je sais pas quand ça arrive. Par exemple, à la limite, je préfère avoir ça que de pas avoir un écran. Tu pars du principe qu'il y aura rien pendant un an, pendant deux ans. Alors sauf s'il me surprend réellement, hein, mais alors là, j'aimerais réellement qu'il fasse ça. Dans ce cas, à la limite, là où tu sais que généralement chez les constructeurs, c'est mort en juillet, août, là, bah, qu'ils arrivent. Mais avec ils sont en juillet, et en août, je suis sûr qu'il n'y aura rien en septembre. En août, ils étaient les seuls à proposer quelque chose. Ils avaient une nouvelle console.
C'est les seuls. Un moment creux, le moment le plus creux de l'année, c'était eux. Bah moi j'espère qu'il y aura des jeux en juillet août. Il y aura des jeux en août, c'est sûr. À l'O7 ? Non, il n'y aura pas. Il n'y aura pas, ils vont annoncer, il n'y aura pas de Halo cette année, ni de Gears. Donc c'est pour ça, à la limite, tu vois. Ils n'auraient pas communiqué en disant qu'il n'y aurait pas d'Halo. Je me serais projeté sur un Halo, moi. On exclut, on ne sait pas. Mais on exclut ça là. C'est nous l'intérêt d'avoir des exclus. Forza. Il y aura sûrement Forza. Ouais, il y aura Forza 7. 7. 7. 6. Motorsport 7. Ouais. 7, c'est sûr. Ouais. Et voilà. Et tu sais pas ce qu'il va y avoir d'autre. Des nouvelles exclus peut-être. Des nouveaux jeux. Bah mais tu vois, je trouve que ça fait vide sur leur calendrier. Ça fait extrêmement vide. Et si ça fait vide pour ramener des licences qu'on ne connaît pas. Comme on fait PlayStation. T'as aucune certitude de ça. Bah ouais, mais parce qu'à la limite, moi j'ai envie de te dire, un Death Gun, c'est une nouvelle licence. Que... Tu n'y connais rien. Death Stranding, c'est une nouvelle licence. Tu connais que dalle. Et qu'est-ce que tu dis? T'es même pas sûr. Mais aujourd'hui, ils l'ont annoncé. Certitude, tu sais que tu vas avoir le DLC qui arrive, qui va rajouter pas mal en heures de jeu et ça va être une nouvelle histoire où ce sera pas Nathan. Il arrive au juin-juillet, je crois. Donc tu vois, t'as encore un temps de encore un truc qui apparaît sur leur planning. Donc tu peux te projeter chez PlayStation à la limite. Même si tu te projettes parfois sur beaucoup d'années, et c'en est même chiant, et moi ça me gave, mais j'ai même généralement dans les conférences, c'est de me dire que le jeu qui m'est montré là, je sais que je vais pas y toucher les pattes, mais parfois... L'inverse, c'est que ce qu'il te présente, tu l'as dans l'année, plus ou moins. Ouais, mais tu vois, ils mettent tout sur la fin d'année, et c'est ça qui est dommage, c'est que, bah, faut échelonner. Et ils échelonnent pas, là. Il y a certains jeux que tu oublies et tu passes au final, parce que du coup... Bah, parce que cette année, ils avaient pour objectif de... pouvoir faire tourner leur jeu sur la capacité genre Gears of War avec la Xbox One S qui est arrivée et donc où ça aurait pas été... Comment tu fais vendre une console, ta nouvelle console avec tes exclus que tu viens de proposer qui sont justement adaptés à cette nouvelle console avec le HDR et donc où tu proposes ça et ensuite tu te focalises, tout le monde sait que c'est Microsoft aujourd'hui est focalisé sur sa Scorpio avec ses fameuses nouvelles exclusivités parce qu'il y en aura qu'on ne connaît pas, les nouvelles licences qu'on aura et qu'on aura à mon avis très vite et où là où c'est fort de café c'est que tu es capable de te dire tu dis putain merde je ne sais pas ce que je vais avoir aujourd'hui, ça n'a même pas fuité. Pour une fois ça ne fuite pas. Et c'est ça aussi qui nous perturbe, c'est qu'on a tellement l'habitude d'être spoilé à longueur de temps, de savoir ce qu'on va avoir, de savoir quand est-ce que ça sort parce que ça fuite, aujourd'hui on n'est pas foutu de savoir. Et donc il y a enfin, je veux dire, il y a une époque quand t'étais là, parce que là t'es adulte et t'es capable d'aller regarder sur internet, mais il y a une époque mec, le jeu vidéo, c'était de la surprise quand est-ce que t'allais avoir un jeu. Et là c'est un peu ça. Non, parce que ça arrivait beaucoup plus rapidement que ça n'arrivait pas. Parce que les jeux étaient pas pareils, mais je veux dire, tu sais, des fois c'était la surprise, des fois t'arrivais dans un rayon, tu savais pas ce que. Tu disais ah putain, je savais même pas que ce jeu était sorti. Mais ça t'arrive génial. Tu l'as encore ça, dans les PlayStation Store ou les. Oui, mais voilà, et là, je trouve ça génial parce qu'on va, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Bah, on sait qu'on n'aura pas de Gears et c'est légitime parce qu'on en a eu un l'année dernière, on sait qu'on n'aura pas de Halo. Ouais, parce que tu vois, face aux deux concurrents qui ont eux un planning à peu près établi, je trouve que c'est con que t'es pas à la limite. C'est con, mais là c'est le moment où Microsoft devrait communiquer en disant bah par exemple, vous allez avoir un. Bah là d'ailleurs, c'était le temps de communication, tu vois, dire par exemple, je sais pas, montrer des images de Forza Motorsport 7 et dire tiens, une démo. Mmh. C'est con, mais là tu vois. Si, il y a un jeu qui arrive d'ailleurs, tu dis limite parce qu'il y a un jeu. C'est quoi? Normalement, avant le 3, il va y avoir Phantom Dust. Bah c'est si, je l'ai dit. Ah bon? Je crois que c'est un jeu. Mais c'est ça sera en mer, à mon avis, qu'on l'aura. Mais oui, quand il y a Gravity Rush, on dit que c'est un jeu d'OB, mais on le met dans la liste et on dit que c'est un plus. Donc pareil, ouais, mais moi je sais que Gravity Rush 2, dès que je vais avoir des finances, je vais le faire. Phantom Dust, je le ferai pas. Mais non, mais il y a qui ça fait. Par exemple, Gravity Rush, je ne le fais pas, mais. Tu le feras toi? Mais non, je le ferai pas. Parce que je suis pas fan. Mais Gravity Rush, je le fais pas, et pourtant, tu es capable de me dire, mais attends, mec, c'était quand même un jeu. Chez Mou 3, on l'attend pas, mais ça sera quand même un jeu. Donc Phantom Dust, c'est pareil. Horizon. Aujourd'hui, par exemple, je veux dire, si on reprend, on va pas refaire le débat, on va finir rapidement parce qu'on va en train de faire une grosse vidéo, mais honnêtement, aujourd'hui, ce que je reproche à PlayStation, et là on peut pas le reprocher à Microsoft, c'est que les grosses exclus, elles sont déjà arrivées, tu y as déjà joué depuis un petit moment, et tu y joues quoi. Gears, Halo, Forza, ils sont déjà tombés. Gran Turismo, non. Ouais, mais est-ce que c'est pas dommage justement, il y a eu une sortie God of War, pas arrivé quoi, merde, God of War quoi. God of War. Toujours pas là. Ça va faire 4 ans qu'on a la console. Pas de God of War. Ça, c'est vrai. Mais d'un côté, il a été présenté que l'an dernier, hein, God of War. Et ben, c'est dommage. Les exclusivités. Mais Santa Monica, a priori, ils ont merdé. Il y a eu des changements internes. Ah, on s'est merdé. Mais les grosses exclusivités qui font l'histoire de cette console, l'histoire de PlayStation aussi, ne sont pas là. Pas toutes. Ça, Uncharted. Voilà. Uncharted. Parce que genre. Mais Killzone qui est là. The Last of Us. Non, il n'est pas arrivé sur cette génération. Il est arrivé sur celle d'avant et c'était un remaster. Mais tu sais que tu vas en avoir un à la limite. Tu vois, tu sais qu'il travaille. Tu sais que tu vas en avoir un. Ouais, mais. Du coup, tu sais.
Tu le sais, juste tu le sais quoi. Tu sais pas quand. Ouais, mais tu sais que c'est le petit dog. Et est-ce que tu l'auras vraiment. Est-ce que tu l'auras vraiment. Est-ce que ça va pas. Ils vont pas nous faire comme ils ont fait pour le premier. Genre à la fin de la génération et on va te le reporter sur la prochaine génération. Ça trouve ça va faire ça. Et cette exclusivité qui. Non, généralement, Naughty Dog, ils développent au moins deux jeux sur une. Ce que je veux dire, moi, c'est. Moi, ça me fait chier parce que c'est le console que j'ai acheté pour ce jeu-là. Et le contrat, pour moi, il est pas encore rempli. Et alors que le contrat, il est rempli. Il n'arrivera pas en plus à le jeu le plus emblématique. Allo, il est là. Les jeux les plus emblématiques, ils sont là. Ils sont là. Ils ont eu des forces de proposition sur la manette Elite. Au final, PlayStation, bam, ils arrivent. Ils proposent aujourd'hui, ils sont en train de te parler d'un nouvel abonnement qui pourrait avoir des nouveaux jeux et une nouvelle façon de penser. Enfin, d'avoir une nouvelle façon de. Et regarde, encore, ça, c'est le plus bel exemple. C'est un temps de communication raté. Bah non, parce qu'on en a parlé. Moi, j'ai fait très peu. On a très peu parlé du système de Xbox. Et bah tant mieux, parce que ça sera peut-être aussi à parler dans la. Ah ouais, mais c'est dommage, parce que c'est un truc génial. Et bah ça sera parlé à l'E3. Bah mais attends, à l'E3, c'est les premiers à avoir dit qu'ils n'allaient pas parler de tout, donc pour moi, de mais ça. Et vous avez pas peut-être que ça fait en part. Ça en et fait tu vois, je trouve que c'est dommage, avec une annonce aussi forte, que ce soit passé sous les radars, quoi. Mais peut-être que ça va arriver aussi. Moi, tu vois, pour moi, c'est ça, c'est une mauvaise communication sur tout début d'année. C'est con, mais Microsoft, en plus, généralement, c'est les meilleurs là-dessus. Ils communiquent mieux que tout le monde. Et bon, bah, c'est un début d'année loupé chez Microsoft. Sans oublier qu'ils vont arriver avec des jeux japonais. Après, je dis pas que ça va. Des ça jeux va japonais. Durer. Ouais. Ils sont censés arriver avec de nouveaux jeux japonais. Et moi, en plus, ça va me plaire. Je pareil, le sais. Parce qu'on sait, communication, communication, on sait qu'on va arriver avec des jeux japonais qu'on ne sait pas encore ce que c'est. Mais on va avoir des jeux plus japonais sur la Xbox. Bah, normalement, c'est ce qui était prévu avec. Merde, comment il s'appelait Avec Scalebound. Une plus grosse déception. Mais. mais on aurait dû l'avoir d'ailleurs. C'est quand qu'il devait tomber. Bah, Scalebound aurait dû. Il devait arriver là. Ouais, mais il devait arriver là. Oui, il a été annulé. Mais pourquoi? Parce que ça, à mon avis, il y a eu d'autres raisons derrière. Je pense que c'est Jean-Jean qui était un peu casse-cou. Oui, parce que déjà, on avait déjà fait la description de ce personnage. Ouais. Donc, à mon avis, il y a eu des soucis avec lui. Et ça, ça leur a. Mais tu vois, c'est quoi? Parce que pour moi, Microsoft, c'est ceux qui savent le mieux communiquer, qui sont tout le temps à répondre hyper réactivement. Parce que dans le listing, ça devait. Mais là, sur le début d'année, force est de constater que de toute façon, ils ont loupé leur com. Et ils ont loupé leur com au moins deux fois. Ils ont loupé leur com sur les jeux, le système de jeu, streaming, machin. Enfin, le jeu où tu télécharges, t'as accès à son jeu, c'est un truc de fou. Ça veut dire qu'en plus, je suis sûr qu'à l'avenir, en plus, leur truc, les sorties seront hyper rapprochées. Ça veut dire que quand t'auras un jeu qui vient de sortir, je suis quasi sûr que 2-3 mois plus tard, il sera dispo sur ce système-là. Donc ça t'évitera de claquer 50 balles et de le payer qu'à 10 balles. Donc c'est quand même un truc extraordinaire et ça n'a pas quasi pas communiqué. Ils font pas de trailer et c'est ça qui leur manque. Il faut faire des vidéos, faut parler aux joueurs. C'est vrai. Et, c'est vrai. PlayStation le fait, ça, c'est con. Nintendo le fait. Et il leur manque ça. Et du coup, le temps de communication sur le début d'année, il est loupé. Ils ont fait deux grosses annonces. Bah, les deux grosses annonces vont passer sous les radars. Quoi. Quelles grosses annonces? Bah, là, les spécificités. Tu les vois, c'est con. C'est pas une grosse annonce. D'ailleurs, on l'a pris à la dernière minute. Tu vois, tu pouvais dire tiens, fais une petite vidéo, genre, dans deux mois, tu marques la date, tac, machin, la console la plus puissante du monde est dévoilée. Ça dure 30 secondes. C'est un teaser. C'est vrai. Mais c'est pas. Tu vois, avec une petite image de jeu, genre 10 secondes de Forza. Vroom. C'est clair. Ça coûte rien. Mais peut-être qu'ils le feront à l'E3. Et tu vois, je trouve que c'est un temps de communication. On va leur prendre comme fort. Ah, ils sont terribles. Bah, l'E3, moi, sauf si, on ne sait pas, et ils ont prévu de faire une conférence pré-E3. Peut-être aussi. Mais dans ce cas, je leur souhaite, parce que sinon, ça va faire trop lourd. Oui, ça leur fera lourd. Et c'est pour ça que Phil avait dit peut-être qu'on sera amené à présenter la console avant. J'espère réellement que c'est pas leur seul temps de com. Et qu'ils vont faire. Non, parce qu'il avait parlé de présenter la console avant. Bah, j'espère. Mais la dernière fois, ça leur a été préjudiciable. Faut pas montrer la console avant. Faut montrer les jeux avant et la console après. Ou faire un melting pot, quoi. Ouais. Tu vois, PlayStation, c'est comme ça qu'ils avaient surfé à l'époque. C'est qu'ils avaient montré les jeux. Et d'ailleurs, même, j'en étais deg à l'époque en février quand ils l'avaient dévoilé. Ils avaient montré des jeux, la manette. J'en étais sorti un peu blasé. Sauf qu'à l'époque, après, t'as eu PlayStation, enfin Xbox qui avait montré sa console et qui avait que des jeux à présenter face à une console. Bah là, ça avait été décevant, quoi. Faut attendre le dernier moment, mais juste, faut chauffer la foule quand même. Faut lui donner envie. Et c'est là, je pense que leur E3, il va chauffer la foule. Il a intérêt, en tout cas. Ouais, moi aussi, j'espère. Bah, je l'attends aussi. En fait, hein. Moi, je l'attends aussi. Parce que déjà, la dernière, bon. Enfin bon, tout ça pour dire qu'on verra en juin. Avec notre Microsoft adoré. Enfin, avec notre Microsoft adoré. Moi, j'espère qu'il y aura une conférence Nintendo. Oui, j'espère aussi parce que j'attends mon Super Smash Bros. Je serais deg qu'il n'y ait pas de conférence Nintendo. Je
Alors qu'ils sont revenus en janvier avec, je serais trop deg qu'il n'y en ait pas. Ouais, s'il n'y en a pas, je serais déçu. Nintendo, s'il vous plaît, écoutez-moi. Shigeru Miyamoto, s'il te plaît. Venez. Viens. Non, j'avoue que ça serait dommage. Ça serait dommage, parce que là, c'est le moment, là. Oui, il faut revenir, il faut dégainer, là. Parce que là, 1,5 million de consoles vendues en un mois, c'est pas mal, là. Sans déconner, moi, ça me rassure, parce que je me dis que les éditeurs, ils vont venir. Ouais, mais après... C'est ou pas? Ah ouais, moi, c'est le jeu que j'attends le plus, Spark, là-dessus, quoi. Les deux d'un coup, allez. C'est cadeau. Ah ouais, moi j'espère, moi je le veux. Enfin bon, okay, voilà, tout simplement pour vous dire qu'on s'est encore bien amusé avec vous. Voilà, ouais, c'est une belle conclusion. Hein. Parce que vous pouvez voir, le ciel se couche, ouais, le soleil se couche. Ouais, il est 22h. Putain, fais chier, on a encore fait un podcast de 2h, fais chier ça. Bon, tu faut que tu conclues là. Ouais, on t'attend là. Oh, on conclure, là, tu dors là. Bonsoir. Si tu dors, on ne pas. Non, bah voilà. Voilà, on termine. Moi j'ai fini. Vous êtes sûr que vous avez que ça à dire? T'as pas un petit truc à rajouter? Xbox derrière? Xbox. Non, j'ai rien à dire. On vous attend au tournant. Non, sur ce, on sait que vous allez arriver. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bisous. Bye bye. Ciao, ciao. À bientôt. Et suivez-nous sur toutes nos trucs, page Facebook, Instagram. On a été un peu relâche quand même dernièrement. Hein. Ouais, on a été relâche, mais parce que c'était nos RTT annuels. Et donc, là, on va repartir de plus belle. On va préparer. Il faut qu'on joue un peu, qu'on se focalise un peu sur nos jeux et puis sur nos plaisirs à jouer. Et puis, on vous prépare l'arrivée de l'E3 qui va arriver, les pronostics qui vont tomber, nos pronostics à nous. Le nouveau format de Danto, le Master Playing. Le Master Playing de Ghost Recon. Va y avoir la Forza. Il y a de nouvelles vidéos qui sont tombés, donc il y aura un petit article par-ci par-là, voilà. Voilà, donc on va revenir de plus belle, mais bon, voilà, il nous fallait un petit temps de pause parce qu'on était un peu naze. Hein, voilà. Les petits pouces bleus, les petits commentaires, on n'a pas de soucis. Allez, on se motive, ça coûte rien là. Allez, appuie là maintenant. Allez, clique. Si tu t'es fait chier à regarder 2 heures de podcast, tu peux au moins appuyer, merde. Ça coûte rien, merde. Oh. Et puis tu peux en parler à tes potes aussi, optionnellement. Parle-en à tes potes, balance. Et puis vive la Touraine. Allez. Ah ouais, ça c'est beau ça. C'est beau. Belle conclusion. Vive la Touraine. Et vive la Touraine, fuck Paris. Vive le Tour FC, allez, c'est parti. Bisous. Allez, ciao. A bientôt. À la prochaine.